La séance est ouverte. Bonjour à tous. L'ordre du jour appelle les questions orales sans débat dans une ambiance à nul autre pareille. La première question est posée par Monsieur Amiel à Monsieur le ministre de l'Outre-mer. Allez-y, Monsieur Amiel. Merci, Monsieur le Président. La situation en matière de sécurité s'est considérablement dégradée à Paris. Dans le 15e arrondissement où je suis élu, c'est d'ailleurs à la fois les atteintes aux biens et les atteintes à l'intégrité physique des personnes qui progressent, et qu'il s'agisse des cambriolages, des vols, des violences ou du trafic de drogue, toute cette délinquance rend la vie impossible au quotidien à beaucoup trop d'habitants. La création d'une police municipale que notre majorité avait souhaitée lors de la dernière mandature doit permettre de réorienter, de soulager les efforts de la police nationale, mais force est aussi de constater que sa montée en charge à la main de la ville de Paris est aujourd'hui trop lente. Les efforts du préfet de police ont permis un recul de la délinquance au deuxième semestre 2022, mais nous avons besoin de davantage de forces de l'ordre sur le terrain pour les mois et les années qui viennent. Cela correspond d'ailleurs pleinement aux priorités qui ont été fixées par le ministre de l'Intérieur, et je pense notamment à la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur que nous avons votée à l'automne dernier, qui prévoit à la fois une augmentation du budget de 15 milliards d'euros et des recrutements considérables de 8500 policiers et gendarmes supplémentaires. Et dans ce contexte, ma question, Monsieur le ministre, portait sur la manière dont ces moyens allaient pouvoir être en partie attribués, évidemment à la fois au 15e arrondissement, mais surtout à notre capitale. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le député, sur les 8500 forces de sécurité supplémentaires que vous avez évoquées, 1000 sont affectées au bénéfice exclusif de la préfecture de police, dont 500 d'ici 2024 dans la perspective des Jeux Olympiques. Le recul de la délinquance à Paris est et doit être l'objectif prioritaire du préfet de police. Des nouvelles mesures ont été prises. Je pense à la priorisation des patrouilles sur les secteurs et horaires les plus criminogènes et à la réversibilité des unités de maintien de l'ordre qui renforcent dès que possible, comme d'ailleurs cela se fait outre-mer, les missions de sécurisation. Cela permet le déploiement quotidien de 230 effectifs supplémentaires sur la voie publique. À Paris plus qu'ailleurs, la lutte contre la délinquance commise dans les transports fait l'objet d'une attention particulière. La présence policière y a été renforcée avec le déploiement chaque jour dans les réseaux de 300 policiers. Depuis cet été, des unités de force mobile, dont un escadron de gendarmerie dédié, sont également régulièrement déployées dans le métro. En outre, 200 policiers supplémentaires sont venus renforcer la sécurité dans les transports franciliens. Dans la perspective de la Coupe du monde de rugby et des JO, dont une part importante des événements sportifs se déroulera au cœur même de la capitale, un plan spécifique anti-délinquance a été mis en œuvre depuis novembre. Dans ce cadre, des opérations zéro délinquance d'ampleur sont menées deux fois par jour, y compris dans les transports, en ciblant 21 secteurs identifiés comme prioritaires, futurs sites olympiques, zones touristiques, secteurs dégradés. Ces opérations spécifiques peuvent conjuguer des actions de voie publique, judiciaire, administrative et sont menées avec le soutien renforcé de la police municipale que vous avez citée et des partenaires locaux, notamment les groupes de partenariat opérationnel. De plus, le déploiement de 400 caméras de vidéoprotection supplémentaires à Paris, 400 caméras supplémentaires sont prévues à Paris d'ici 2024 et elles resteront bien évidemment après les Jeux Olympiques. Je veux enfin souligner les statistiques que vous avez invoquées. Si elles démontrent effectivement une hausse insupportable de la délinquance dans la capitale sur la totalité de l'année 2022, elle montre néanmoins une tendance à la baisse, encourageante, c'est un premier signe, depuis le second semestre, non démenti sur les trois premiers mois de 2023. Je pense que ces moyens supplémentaires vont peu à peu produire leurs effets. Il y faudra du temps, c'est clair. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député, vous voulez ajouter quelque chose ? Parfait. Eh bien, nous passons à la question suivante. Celle-ci est posée par Madame la députée des Alpes-Maritimes, Alexandra Masson. Monsieur le ministre, ma circonscription est concernée au premier chef par le dispositif de votre ministère de lutte contre l'immigration clandestine. Elle compte une centaine de kilomètres de frontière avec la Ligurie et le Piémont, point de passage des migrants arrivant en flux continu
de Sicile et de Lampedusa, où ils parviennent à accoster grâce à des réseaux mafieux de passeurs et la complicité d'ONG telles que SOS Méditerranée ou Océane Viking. Entre le 1er et le 20 janvier 2023, l'immigration illégale a battu des records dans ma circonscription, 3 500 migrants interpellés contre 350 à la même période en 2022. Oui, monsieur le ministre, un rapport de 1 à 10. Des chiffres qui arrivent après ceux des 40 000 migrants interpellés sur toute l'année 2022 à la frontière italienne, selon les propres chiffres du préfet des Alpes-Maritimes. Des interpellations qui explosent, avec une hausse de 106% depuis 2019. À Menton, le poste frontière de Saint-Ludovic, sur le bord de mer, et le poste historique de Saint-Louis sur l'ex-National 7 sont les deux principaux points de passage de la frontière où des effectifs de police des frontières, des gendarmes mobiles, des CRS sont constamment présents pour contrôler les véhicules depuis 2015. Ces forces de l'ordre doivent également surveiller la ligne de chemin de fer transfrontalière dans laquelle, chaque jour, des migrants sont arrêtés quand ils ne sont pas tués en voulant se cacher dans des armoires électriques ou sur le toit de TER qui partent de Vintimille de l'autre côté de la frontière italienne. Ces gendarmes mobiles ont également la responsabilité des deux sorties d'autoroute A8 entre la frontière et le péage de la Turbie, où chaque jour des automobilistes ou des routiers sont payés, monsieur le ministre, par les réseaux de passeurs pour faire passer des migrants pour quelques centaines d'euros. Pour éviter les contrôles autour de Menton et sur ces péages autoroutiers, des milliers de migrants tentent aussi un passage clandestin par l'arrière-pays. Depuis plusieurs années, un certain nombre de milieux associatifs d'aide aux migrants et à leur passage se sont créés, dont le plus tristement célèbre Cédric Héroux. Les effectifs de la force Sentinelle doivent, en plus de la gendarmerie, venir en renfort pour patrouiller sur les chemins de montagne et contrôler ces passages illégaux, et ce, sans moyens technique digne de ce nom. Hélas, après plus de 250 interpellations par jour, dépourvues de moyens humains et de matériel nécessaires tels que les drones, les effectifs de la LIC font beaucoup avec peu de moyens. L'urgence, monsieur le ministre, est implacable. Quand allez-vous enfin renforcer les effectifs humains et matériels de la lutte contre l'immigration clandestine à la frontière italienne avec les Alpes-Maritimes? Merci. Merci, madame la députée. Monsieur le ministre. Monsieur le président, madame la députée, c'est un département que je connais bien pour être originaire de Nice. J'entends votre question, je voulais juste dire, dans les QAG auxquels j'assiste, l'immigration en France forte, et il faut lutter contre, est aussi un signe du succès de notre République. Je vois plus d'immigrés qui veulent venir en France que de Français qui veulent aller à Mogadiscio, au Panama, ou je ne sais pas où. Hein. C'est ça le sujet aussi. Ceci dit, il faut lutter contre l'immigration clandestine, et vous avez raison. Mais dans le même temps, bien se dire qu'il y a de l'immigration parce qu'en France, c'est mieux qu'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a de l'immigration. Mais le gouvernement doit agir aussi contre cette immigration clandestine. C'est bien une vérité à deux faces. Je citerai comme exemple de l'action pour organiser l'éloignement forcé de tous ceux qui n'ont pas vocation à s'installer sur le territoire, notamment les sortants de prison, où la doctrine a complètement changé, ou ceux qui représentent une menace pour l'ordre public. Alors, ce n'est pas tout à fait votre question, mais c'est aussi une partie de la réponse. Au cours de la précédente législature, nous avons aussi augmenté les capacités de rétention à hauteur de 715 places supplémentaires dans les centres de rétention administrative. Les crédits de la LOPMI de janvier dernier vont nous permettre d'accroître encore avec 795 places supplémentaires d'ici la fin du quinquennat. Cette même loi fixe une feuille de route claire et ambitieuse sur la sécurisation des frontières. La montée en puissance ne peut être que progressive avec les moyens qui sont accordés par le Parlement. Nous menons depuis 2017 une politique de renforcement exceptionnelle des effectifs des forces de l'ordre qui sont là pour la lutte contre l'immigration clandestine. Il nous faut poursuivre. 7000 postes de policiers et gendarmes vont être créés au cours du quinquennat. Je tiens également à souligner, ça me paraît très important, la récente création d'un nouvel office central spécialisé, piloté par la PAF, l'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants, l'OLTIM, qui va renforcer notre capacité de lutte contre les réseaux, parce que tout ça est évidemment, en plus, organisé par des réseaux que chacun connaît. Dans les Alpes-Maritimes,
et c'est votre question, les moyens sont au rendez-vous. Alors que la PAF disposait fin 2016 de 417 agents, elle la dispose aujourd'hui, vous allez me dire, c'est pas énorme, mais c'est la France entière, de 454 au 31 janvier 2023. Le nombre de gradés et gardiens est passé de 313 à 361, ça fait 20%. Si chaque poste doit augmenter de 20%, on n'y arrivera pas. Félicitons-nous de ces 20%. Moi, je peux vous assurer de l'engagement du préfet, que je connais particulièrement, des forces de l'ordre, des douanes, contre l'immigration clandestine dans les Alpes-Maritimes, qui est un chemin provenance de l'Italie, c'est clair, qui subissent les conséquences de la très forte hausse des débarquements de migrants en Italie. Conclusion, Monsieur le Président, quelques chiffres témoignant de la mobilisation de nos forces. Plus 20% de placements en CRA, plus 16% d'éloignement forcé, plus 22% de trafiquants de migrants mis en cause, 14 filières démantelées. Pour les seuls deux premiers mois, ce sont plus de 375 personnes qui ont été interpellées, soit 30% de plus qu'au cours de la même période. Merci, Monsieur le Ministre. On augmente les effectifs. Merci. Je vous invite, non, Madame la députée, il n'y a plus de temps de parole, à rester dans notre cadre des 6 minutes. C'est Monsieur Serge Muller, député de Dordogne, qui s'exprime. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'ai visité le 14 novembre 2022 le Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie situé en Dordogne, dans la petite ville de Saint-Astier. Ce centre a vocation à former des officiers et des sous-officiers de gendarmerie au rétablissement de l'ordre et à l'intervention professionnelle depuis 50 ans. C'est un colosse qui accueille annuellement 10 000 stagiaires et 5 000 visiteurs qui utilisent les infrastructures. Il y a cependant un gros problème concernant le stockage des munitions qui est trop important. En effet, alors que le centre utilise annuellement environ 40 000 cartouches réelles et d'exercice et 77 000 grenades, propulseurs et explosifs, la soute de stockage dont dispose le centre date de 1980 et est très largement sous-dimensionnée par rapport aux besoins de stockage et aux flux incessants de munitions. Par manque de place, certaines munitions sont donc stockées dans des conteneurs maritimes recyclés ou des Algeco, où la température peut s'élever à plus de 60 degrés en période estivale. Donc l'été, il est impossible de s'en servir, vu qu'elles sont extrêmement brûlantes, et que c'est extrêmement dangereux en raison du potentiel risque d'explosion. De plus, les substances pyrotechniques y sont altérées, ce qui les rend inutilisables. Je ne parle pas des conditions de stockage qui sont faites à main nue, en pente et sans quai de réception. La nécessité de se doter d'une soute à munitions répondant aux normes attendues en matière de stockage, aux besoins quantitatifs et qualitatifs, sont désormais préoccupantes. Afin de répondre à la montée en puissance de ce centre de formation, je vous demande donc, que pensez-vous faire pour améliorer la capacité de stockage de ce centre de formation et pour régler le problème de sécurité que ça entraîne ? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, monsieur le député, question précise et question à laquelle il faut répondre précisément. L'augmentation du nombre de formations délivrées au sein du Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie à Saint-Astier implique évidemment désormais une réorganisation des zones d'entraînement, la rénovation de quelques bâtiments, l'extension de capacité du site. Le projet immobilier dans son ensemble a été inscrit dans la programmation immobilière du ministère de l'Intérieur sous plafond des crédits votés au titre de la LOPMI. Ceci dit, la mise à niveau de la soute de munitions est une urgence. Elle sera donc conduite en priorité. À ce titre, une provision de 100 000 euros est programmée en 2023 pour le diagnostic préalable à ces opérations. Études de maîtrise d'œuvre financées en 2024, c'est le projet pour 1 million. Travaux, 10 millions d'euros en 2025. Tout ça est long, c'est les procédures à la française. Mais il s'agit de munitions, il faut donc faire attention. Mais les crédits sont ainsi programmés, monsieur le député. Merci, monsieur le ministre. Parfait. Eh bien, c'est Madame Sophie Blanc qui remplace sa collègue des Pyrénées-Orientales, qui est retenue et qui vous pose la question suivante. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Depuis l'Antiquité, le col de Banyuls, situé dans les Pyrénées-Orientales, sert de passage entre la France et le Royaume d'Espagne. Il est aujourd'hui fermé par arrêté préfectoral depuis janvier 2021 en raison de la lutte contre les menaces terroristes, l'immigration clandestine et le trafic de stupéfiants.
La lutte contre ces différents fléaux est un objectif louable, mais le col est fermé de manière très partielle par des alignements de rochers qui n'empêchent pas les véhicules de le contourner au travers des pistes et rendent impossibles les échanges frontaliers sans empêcher le trafic. Ouvriers espagnols qui travaillent en France dans l'agriculture ou bien le bâtiment, touristes qui visitent Banyuls et qui veulent faire un saut en Espagne, les échanges sont nombreux. Au-delà du passage individuel, l'accord COPEREM de 2018 entre les sapeurs-pompiers français et catalans, permettant de mutualiser les appels d'urgence de chaque côté de la frontière, se trouve dépourvu d'efficacité dans la mesure où les temps d'intervention dans la zone sont multipliés par deux. Cet allongement des délais entraîne des conséquences importantes dans le climat actuel de sécheresse. La situation n'est donc bonne pour personne. Elle n'empêche pas les trafiquants de passer et elle bloque les échanges transfrontaliers normaux. Depuis le 19 janvier 2023, la République française et le Royaume d'Espagne ont signé un traité d'amitié et de coopération dont le chapitre 4, traitant de la justice et des affaires intérieures, mérite vraiment de ne pas rester lettre morte. Le préfet de Perpignan nous assure faire un nouveau point de situation avant l'été, mais les choses n'avancent pas assez vite. Monsieur le ministre, quand allez-vous enfin mettre en place la création d'une brigade mixte dans le cadre de ce traité de Barcelone afin de tenir ce col de Banyuls pour juguler le trafic et laisser la libre circulation des personnes et des biens sous le contrôle des douanes françaises et espagnoles? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Madame la députée, la France a rétabli ses contrôles aux frontières intérieures de manière continue depuis novembre 2015, conformément aux dispositions du Code frontières Schengen. Le contrôle aux frontières, à l'évidence, ne va pas sans créer des difficultés pour les habitants autour, hein, pour les habitants d'un côté ou de l'autre de la frontière. C'est une évidence, tout contrôle aux frontières amène des inconvénients pour les habitants, des queues, des contrôles, des interdictions. La frontière espagnole est le deuxième point de passage de flux d'immigration irrégulière sur le territoire métropolitain, après l'Italie, et Menton, nous avons évoqué, c'est une évidence géographique. La pression migratoire y est importante. Les forces de sécurité intérieure déployées à la frontière ont ainsi procédé à 20 654 non-admissions et 6 788 interpellations d'étrangers en situation irrégulière en 2022. C'est la réalité du contrôle, ça vaut aussi pour Menton. Dans le cadre fixé par le traité de Barcelone, signé le 19 janvier dernier, ce n'est pas très ancien, vous vous inquiétez de savoir si on avance derrière, mais le 19 janvier, c'est quand même hier. Signé par le président de la République, la France est disposée à travailler avec nos partenaires espagnols à la réouverture des 8 points de passage autorisés encore fermés, 8, pas seulement le col de Banyuls, à la circulation transfrontalière sur les 37 que compte l'ensemble du linéaire franco-espagnol. Pour ne pas affaiblir notre dispositif de lutte contre l'immigration clandestine, ni faire peser une pression excessive sur les forces de sécurité intérieure, la réouverture effective des points de passage autorisés doit s'accompagner d'une coopération renforcée avec les forces espagnoles. Ce travail est en cours, ainsi que vous l'a précisé, monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, est en cours, et le ministre de l'Intérieur des Outre-mer me charge de vous dire qu'il aura bientôt l'occasion de faire des propositions précises à son homologue espagnol lors de sa prochaine visite à Paris, qui devrait permettre des avancées précises, concrètes, dans les prochaines semaines et répondre ainsi à vos préoccupations. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Alors, nous sommes un peu en avance sur l'horaire, mais ce n'est pas grave. Je vais donner la parole à madame Eva Sas, députée de l'Essonne, qui vous interpelle, monsieur le ministre. Députée de Paris, pardon, vous étiez députée de l'Essonne dans un temps passé. Absolument. Députée de Paris, bien sûr. Merci, monsieur le Président. Je souhaitais attirer l'attention de monsieur le ministre sur la situation des jeunes du 12e arrondissement de Paris, qui se retrouvent avec des dettes considérables suite à de multiples contraventions. Les raisons de ces contraventions sont variées, allant du non-respect des mesures sanitaires, telles que le non-port du masque, les déplacements sans attestation ou la violation du couvre-feu, parfois à la minute près, et à des infractions plus communes comme les amendes pour tapage nocturne ou les infractions au code de la route.
Le caractère répétitif de ces contraventions est préoccupant et ne peut qu'interroger, car elles ne respectent pas l'esprit de la loi pénale visant à réinsérer les condamnés et à prévenir la récidive, les montants cumulés atteignant des sommets que les redevables ne peuvent rembourser. Le cumul de ces contraventions est donc inefficace, nuit à l'effet dissuasif des amendes supplémentaires et n'a aucun effet sur l'apaisement de nos quartiers, que nous appelons toutes et toutes de nos voeux. Les jeunes endettés, parfois jusqu'à plus de 10 000 euros, sont plongés dans de grandes difficultés financières qui compromettent notamment leur avenir professionnel. En effet, ces amendes répétitives ponctionnent tout le salaire des jeunes concernés, fruit pourtant de leurs efforts d'insertion dans la société. Ainsi, je souhaiterais savoir quelles actions seront entreprises par Monsieur le ministre pour, d'une part, analyser les raisons de ces cumuls de contraventions et, d'autre part, alléger le poids de ces dettes d'amende cumulées qui ont un impact certain sur l'entrée dans la vie active des jeunes concernés et ne favorisent pas leur insertion. Je souhaiterais également savoir quelles mesures seront prises pour assurer réellement la tranquillité des quartiers et apaiser les relations entre habitants. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Madame la députée, je veux dire d'abord qu'amende répétitive veut dire faute répétitive. C'est quand même ça le béaba du système. Si vous cumulez des contraventions, cumulez des amendes, c'est vous cumulez, j'allais dire, les imbécilités. Hein, les troupes, je suis d'accord avec vous, mais d'abord disons la vérité qui est d'abord celle-là. Et il est normal qu'au cours des patrouilles, les effectifs de police qui constatent des infractions de la nature que vous avez évoquées, et il y en a plusieurs, procèdent aux verbalisations nécessaires. Il faut essayer de faire cesser les comportements donnant lieu aux infractions. Il s'agit bien du rôle de la police et nos concitoyens sont en droit d'attendre que la délinquance ou les incivilités qu'ils observent, qu'ils subissent, soient réprimées. À Paris, vous le savez, Madame la députée, c'est la police municipale créée en 2021 qui est dorénavant compétente pour lutter contre les incivilités et les nuisances et qu'elle assume également la mission de verbaliser les personnes qui commettent des incivilités. Bien évidemment, si la personne verbalisée conteste le bien fondé de la contravention, il lui revient de saisir l'officier du ministère public, c'est aussi possible. Et le cas échéant, le tribunal de police territorialement compétent. Face à l'épidémie de Covid-19, les forces de l'ordre ont été mobilisées pour faire respecter les règles de confinement ainsi que les mesures induites par l'état d'urgence. Ces missions ont été effectuées dans tous les quartiers de l'agglomération parisienne sans distinction. Dans l'ensemble, la population à respecter les règles et les contrôles ont rarement soulevé de difficultés. Pour ce qui est des tapages nocturnes, là aussi, il faut quand même sévir un petit peu. Les interventions sont le plus souvent motivées par les plaintes du voisinage, les appels à police secours. Les constats sont effectués sur place par les policiers qui jugent alors de la situation et verbalisent si le tapage est constaté. Le rôle de la police est de faire respecter la tranquillité publique. De la même manière, tous les usagers, pour leur sécurité et celle des autres conducteurs, se doivent évidemment de respecter le code de la route. Les manquements à ces dispositions qui peuvent générer de graves incidents doivent faire l'objet de sanctions appropriées, en particulier pour les récidivistes, et c'est cela dont il s'agit. Le respect de la tranquillité publique et la lutte contre les nuisances et les incivilités de toutes sortes constituent une priorité de la politique de sécurité. Sinon, c'est une vaste pagaille qui s'installe. Ceci dit, votre question est un peu différente, mais je voulais répondre là-dessus. Je vous confirme que je saisirai le préfet de police de Paris spécifiquement sur votre question à ma signature. Vous souhaitez prendre la parole, allez-y, Madame la députée. Oui, je voudrais attirer l'attention de Monsieur le ministre sur le fait que ce n'est pas le bien fondé de ces amendes que nous contestons, mais le caractère totalement inefficace du cumul très important qui fait qu'elles atteignent des montants qui ne peuvent pas être payés. Je pense que c'est l'esprit dans lequel je ne pense pas que ce soit l'esprit dans lequel elles ont été mises en place, et surtout elles dissuadent les contrevenants de s'insérer dans la vie active, et c'est bien là le sujet que nous vous soumettons. Merci. Parfait. Voici donc la députée de l'Essonne que nous attendions. Madame Amrani est arrivée et elle va pouvoir prendre, juste après vous, Président, la parole. Madame Amrani, je vous écoute. Merci. Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, dans la première circonscription de l'Essonne, une jeune étudiante congolaise, Merveille, a reçu le 6 février dernier une obligation de quitter le territoire français sous prétexte d'être entrée en France sans visa de long séjour. Alors qu'elle est bien intégrée en France et qu'elle fait preuve d'une curiosité sans faille et qu'elle a à n'en pas douter un avenir brillant, elle est sujette à une expulsion.
Nous le savons, certaines OQTF produisent des effets délétères à l'intégration des étrangers en France. Pour comprendre une telle absurdité, il faut appréhender la réalité du terrain. En 10 ans, les préfectures font face à une baisse de 14% de leurs effectifs. Les conséquences de ce manque de moyens sont désastreuses et les agents préfectoraux ne sont plus en mesure d'absorber une charge aussi importante de travail. Il semblerait que les politiques menées depuis des années, et notamment depuis 2017, organisent la casse des services publics et du traitement préfectoral des migrations. Que ce soit pour une admission exceptionnelle de séjour, les demandes de plein droit ou pour les renouvellements, les exigences et nombre de pièces demandées à l'instruction se sont sensiblement accrues et complexifiées en 2022. À l'heure actuelle, il arrive même que l'on doive imprimer une ramette entière de papier blanc pour un seul dossier. Les conséquences sont lourdes pour les agents et les demandeurs pour lesquels les délais se rallongent. Pour la préfecture de l'Essonne, pas moins de 7243 demandes en attente au 31 janvier dernier pour 40 dossiers traités par semaine. La préfecture ne peut certainement pas répondre aux demandeurs sans les faire attendre des mois, voire des années. Et il y a cette jeune étudiante, Merveille, qui étudie pour s'en sortir, qui souhaite s'intégrer durablement en France et qui reçoit comme seule réponse de l'État une OQTF. Monsieur le ministre, que comptez-vous mettre en œuvre pour résoudre le manque de moyens accordés aux préfectures et supprimer les OQTF menant une politique de contre-intégration à l'encontre de certains étrangers en France? Je vous en remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Madame la députée, quitte à ne pas faire plaisir à ceux qui m'ont posé des questions tout à l'heure du parti qui siège là, c'est dû d'abord à une montée de la demande d'immigration. C'est ça que l'on constate et les chiffres que je vais vous donner sont impressionnants. Mais la situation individuelle que vous évoquez est, comme souvent, plus complexe que ne laissent supposer les apparences et le nombre de demandes que je reçois de régularisation est pour moi une conviction forte. Notamment, elle ne se résume pas uniquement à la détention ou non d'un visa, document nécessaire pour obtenir un titre de séjour pour motif d'études, dès lors qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, est ouverte pour les étrangers, pour tous les étrangers séjournant irrégulièrement en France. En 2021, 28 836 titres de séjour ont pu être délivrés à des étrangers en situation irrégulière par la voie d'admission exceptionnelle. C'est signe que ça fonctionne. Dans le même temps, et pour la même année, les préfectures délivraient 322 000 premiers titres de séjour, tout motif confondu. C'est donc une pression exceptionnelle qui s'exerce sur l'administration préfectorale. En matière de moyens humains, des préfectures, les effectifs de préfectures, contrairement à ce que vous avez dit, ont été stabilisés, rompant avec la pratique antérieure à 2017, dont l'application mécanique des baisses d'emplois conduisait à supprimer tous les ans depuis 2013 l'équivalent d'une préfecture de taille moyenne. Ça s'est arrêté en 2017 et à partir de 2023, les effectifs réaugmentent dans les préfectures. Par ailleurs, le déploiement de l'administration numérique des étrangers en France permet pour les titres déjà concernés de réduire les délais d'instruction et d'améliorer les conditions de travail des agents des préfectures, ce qui compte aussi. Je rappelle que cette action de modernisation en profondeur des conditions d'exercice de cette mission a débuté dès février 2019 et qu'elle se poursuit selon le rythme de déploiement programmé. À ce jour, la moitié des titres de séjour délivrés dans notre pays le sont grâce à ce dispositif, dont je vous précise qu'il est particulièrement économe en papier par ailleurs, même s'il ne bénéficie pas encore, il est vrai, aux procédures d'admission exceptionnelles. L'activité séjour des préfectures, croyez-le, à toute l'attention du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, à toute mon attention personnelle, et le gouvernement souhaite continuer à la soutenir et à œuvrer à sa modernisation. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Parfait. Eh bien, nous vous remercions, monsieur le ministre. Vous succède, monsieur le ministre délégué chargé de la ville et du logement, que j'accueille. Je laisse s'installer et je donnerai la parole au président Coquerel. Merci, monsieur le ministre.
Président Coquerel, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre délégué à la ville et au logement, alors que le peuple français fait l'histoire avec des mobilisations et des grèves contre votre réforme des retraites, la situation de la France est devenue aussi explosive à cause d'une inflation galopante, touchant plus particulièrement les produits de première nécessité. Tout a augmenté, notamment les charges locatives dans les logements sociaux. Nous subissons l'explosion des prix du gaz et de l'électricité liée à la spéculation des fournisseurs d'énergie. Et cette spéculation a plongé des personnes qui arrivaient encore à joindre les deux bouts dans la précarité. En effet, les bailleurs sociaux, en renouvelant leur contrat d'électricité et de gaz au prix du marché, ont répercuté le surcoût sur les charges payées par les locataires. Nous en sommes actuellement à plus de 15% d'augmentation des factures d'énergie. 300% d'augmentation des charges locatives dans certains quartiers de Marseille, 50 à 150% d'augmentation à Saint-Denis, 150% à Jouy-les-Tours, plus de 50 euros d'augmentation à Amiens. En parallèle, le prix moyen du panier de course atteint 105 euros. L'inflation a atteint 16,5% sur 37 produits du quotidien. Le magazine 60 millions de consommateurs annonce même un surcoût moyen de 790 euros des courses en 2023. Désormais, beaucoup de locataires doivent donc choisir entre se nourrir ou payer la facture d'électricité et leur loyer de charges. Et pourtant, les factures, ils les paient, même quand s'ajoutent des dysfonctionnements de la gestion locative, rendant parfois des habitats indignes, voire insalubres, y compris dans les logements sociaux. Dans toute la France, des collectifs de locataires se réunissent pour demander aux bailleurs sociaux et à l'État de prendre des responsabilités, et ce, à quelques jours de la fin de la trêve hivernale qui pourrait revoir, malheureusement, une série d'expulsions. Je les soutiens, je me joins à eux pour demander au gouvernement de geler les charges et les loyers, d'instaurer les prix réglementés de l'électricité pour les logements sociaux et d'instaurer une TVA à prix réduit sur les produits de première nécessité. Monsieur le ministre, qu'en pensez-vous ? Merci, monsieur le président, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le président Éric Coquerel. Le gouvernement a bien conscience, comme vous, de l'impact de l'inflation sur le coût du logement en France, en particulier sur les ménages aux ressources les plus modestes. C'est la raison pour laquelle diverses mesures ont été mises en œuvre dès 2022. Ainsi, pour pallier les effets de la hausse des tarifs d'électricité et du gaz, un bouclier tarifaire pour les prix du gaz a été mis en place dès le mois de novembre 2021 pour les particuliers. Il a été étendu, et vous le savez, en avril 2022, avec un effet rétroactif au 1er novembre 2021 pour les copropriétés privées et les logements sociaux chauffés collectivement au gaz. En outre, les ménages vivant dans des logements sociaux chauffés collectivement à l'électricité vont pouvoir bénéficier d'une aide spécifique pour leur consommation couvrant la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2022, ainsi que sur les parties communes, ainsi que pour leur consommation pour toute l'année 2023. Une aide complémentaire est également apportée par l'État aux bailleurs qui auraient été contraints de souscrire des contrats particulièrement onéreux, comme vous le soulignez. Il s'agit par ce moyen de limiter les hausses de charges répercutées par les gestionnaires de logements collectifs aux résidents. Par ailleurs, la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat a plafonné la variation en glissement annuel de l'indice de référence de loyer à 3,5% de manière à limiter l'évolution des loyers. Ces mesures visent précisément à contenir l'évolution des loyers et des charges, notamment dans le parc social. Enfin, je continue de travailler avec tous les acteurs, notamment les bailleurs sociaux, pour bien mobiliser les dispositifs évoqués et, le cas échéant, les renforcer avec une intention forte aux impayés. La commission de prévention des expulsions locatives se réunira tout début avril. Il y a un enjeu à ce que les bailleurs jouent pleinement leur rôle d'accompagnement des locataires. En revanche, leur faire porter directement les hausses fragiliserait leur capacité d'investissement pour développer et rénover le parc, ce qui est essentiel pour apporter une réponse structurelle à ces différents problèmes. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Vous avez encore un petit peu de temps. Oui, Monsieur le Ministre, votre réponse ne me satisfait pas, c'est le moins qu'on puisse dire, quand vous dites le cas échéant, nous allons prendre d'autres mesures. Le 21 mars, j'étais à Saint-Denis, dans ma circonscription, d'une manifestation avec les personnes, notamment des quartiers framboisins et d'autres quartiers de Saint-Denis, qui subissent de plein fouet cette augmentation des charges. Je vous assure que ce n'est plus supportable. Ce n'est plus supportable. C'est-à-dire les gens ne peuvent plus le faire. Donc, à mon avis, il faut vraiment vous changer de braquet,
notamment en instaurant des prix réglementés de l'énergie, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les bailleurs, mais aussi en faisant en sorte de geler les loyers et les charges. Sinon, on va se retrouver dans une situation absolument catastrophique et des personnes, en plus, risquent de se faire expulser, ce qui serait une double peine, j'allais dire, avec la fin de la trêve hivernale. Voilà, Monsieur le Ministre, une situation sur laquelle je voulais vous alerter. En pleine mobilisation sociale sur les retraites, on en parle moins, mais le problème des logements dans nos circonscriptions, c'est le problème numéro un. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, nous passons à la question suivante, Madame Leduc. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question porte sur la gestion plus que discutable des investissements étatiques dans les transports en Moselle. Vous connaissez la situation catastrophique de la ligne ferroviaire Nancy-Metz-Luxembourg. Des milliers de travailleurs et de travailleuses frontaliers empruntent cette ligne quotidiennement pour se rendre au Luxembourg. Et leurs conditions de voyage sont intolérables. Les retards se multiplient. Les trains sont en permanence bondés aux heures de pointe. Les malaises voyageurs sont très fréquents. Les contrôleurs avec qui j'ai aussi pu échanger travaillent en mode très dégradé. Si bien que de nombreux voyageurs se détournent du train pour prendre la voiture, souvent à contre-cœur. C'est une aberration écologique. Pourtant, cette situation n'a rien d'étonnant, tant les investissements sur cette ligne ont manqué ces dernières années, alors que le nombre de travailleurs frontaliers continue d'augmenter et devrait passer de 120 000 à 160 000 en 2040. Il est donc urgent de réagir. Le gouvernement a certes promis 100 milliards d'investissements ferroviaires à l'échelle nationale d'ici 2040, en comptant les apports des régions et de la SNCF, mais pour que cet engagement en faveur du train soit crédible et efficace, il faut qu'il soit total. Comment croire que ce plan va permettre une bifurcation écologique radicale de nos modes de transport quand l'État continue de financer des projets polluants? C'est le cas en Moselle avec le projet d'autoroute A31 bis qui va augmenter le flux quotidien de voitures vers le Luxembourg. Cette nouvelle autoroute est un non-sens à plus d'un titre. En rendant l'A31 plus attractive, l'État favorise le développement de la voiture au détriment du train et des mobilités vertes. Après deux condamnations pour inaction climatique, l'État va encore faire un pas qui éloigne de la réalisation des objectifs climatiques. Ce projet coûte 2 milliards d'euros, qui serait bien plus utile ailleurs, et je ne parle même pas de tous les coûts cachés que la collectivité va devoir supporter. Une autoroute supplémentaire, c'est plus de gaz à effet de serre, de particules fines, responsables de 5 000 décès par an dans la seule région Grand Est. Une autoroute supplémentaire, ce sont des accidents et des nuisances qui pèsent sur les comptes sociaux. C'est une facture climatique qui s'alourdit sans cesse et qu'il faudra bien régler un jour. Ce sont des péages aussi à régler au quotidien qui vont peser sur le pouvoir d'achat de nos concitoyennes et de nos concitoyens, puisque l'A31 bis sera payante et relativement chère vu les projets. Des milliards d'euros vont donc être dépensés pour cette autoroute inutile, tandis que les usagers de la ligne de train, eux, vont devoir s'armer de patience. Le 2 mars dernier, à la gare de triage de Voipy, le ministre chargé des Transports déclarait « Je sais qu'il y a beaucoup d'impatience, mais des travaux doivent être réalisés sur le réseau pour améliorer le cadencement, la régularité, la fiabilité des trains. Et puis le projet de RER métropolitain, une ambition à 10 ans, c'est typiquement sur le sillon lorrain que nous ferons ces investissements. Bref, pour l'autoroute, l'argent est là, maintenant. Pour le train, il faut attendre 10 ans pour voir une amélioration de l'offre de transport. Et encore rien de précis qui concerne cette ligne, Nancy-Metz-Luxembourg, dans les annexes du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures. » Avant de créer des RER métropolitains, ne croyez-vous pas qu'il serait bon de s'assurer que les lignes existantes fonctionnent? Si vous voulez préparer l'avenir et lutter concrètement contre le dérèglement climatique, il faut des actes forts, il faut renoncer à ce projet d'autoroute dont personne ne veut, redéployer les milliards concernés vers l'amélioration immédiate de la ligne Nancy-Metz-Luxembourg. Quelles garanties pouvez-vous donner aujourd'hui aux voyageurs pour qu'ils se sentent écoutés et considérés? Quelles réponses pouvez-vous leur apporter afin qu'ils bénéficient rapidement d'une ligne de train à la hauteur de leurs attentes légitimes? Merci. Merci, Madame la députée, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Charlotte Leduc. Il n'y a pas lieu d'opposer au développement de l'offre ferroviaire la poursuite du projet A31 bis. La Première ministre l'a dit, le ministre des Transports le dit régulièrement, notre priorité est le ferroviaire. Et nous réduirons, pour atteindre nos objectifs en la matière, les crédits alloués aux nouveaux projets routiers. Le projet d'A31 bis s'inscrit dans le cadre d'une réflexion en faveur d'une politique de déplacement multimodal sur le sillon lorrain. Aucun mode n'étant capable d'absorber seul les flux de voyageurs et de marchandises attendus à moyen terme. Les concertations et études se poursuivent donc.
La récente concertation avec le public sur le secteur nord de l'A31 bis a souligné les fortes attentes locales pour améliorer le fonctionnement de l'A31 qui présente des congestions importantes aux heures de pointe. Contrairement à ce que vous sous-entendez, le financement de ce projet ne se ferait pas au détriment de projets ferroviaires puisqu'il serait financé par le péage. Le renforcement de l'axe ferroviaire Nancy-Metz-Luxembourg fait d'ores et déjà l'objet d'investissements importants pour répondre aux besoins de mobilité transfrontalière en forte croissance afin de créer un véritable service express métropolitain. Vous le savez, ces investissements se font dans le cadre d'un protocole d'accord entre la France et le Luxembourg signé en 2018 et modifié en 2021, consacrant près de 440 millions d'euros à cette ligne d'ici l'horizon 2030, à parité entre les deux pays. Des premiers investissements ont été engagés et sont déjà réalisés pour certains pour répondre à la saturation de l'axe dès 2024. Une seconde phase d'amélioration capacitaire a également été identifiée à l'horizon 2030 grâce à l'augmentation de la puissance électrique disponible, la reprise du plan de voie à Thionville, des aménagements sur le nœud de Metz ou encore la création de deux sas fret. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée, je vous en prie. Oui, Monsieur le ministre, l'autoroute, c'est clairement une solution du passé et je crois qu'il faut investir réellement dans le ferroviaire, mais notamment dans ce qui concerne le fret et voir aussi toutes les alternatives de transport en commun qui peuvent se dérouler sur l'autoroute. Il faut interroger le modèle économique qui nous rend aussi dépendants du Luxembourg et développer le télétravail. Il y a énormément d'axes pour trouver d'autres solutions que cette autoroute dont les riverains ne veulent pas. Merci, Madame la députée. La question suivante est posée par Madame Mathilde Ignet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, il y a quelques semaines, j'ai écrit un courrier au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires chargé des transports, resté pour l'instant sans réponse, au sujet de la potentielle création d'une nouvelle section de ligne à grande vitesse, Rennes-Redon, dans le cadre du projet ferroviaire de liaison nouvelle Ouest-Bretagne-Pays de la Loire. Les études mises en place envisagent en effet deux options pour répondre aux objectifs d'amélioration de la desserte ferroviaire de la pointe bretonne, la modernisation de voies existantes d'une part et la création de nouvelles sections de lignes grande vitesse d'autre part. Dans les faits, ces études montrent que la création d'une section Rennes-Redon engendrerait un gain de temps estimé de 11 minutes. 11 minutes qui auraient pour conséquence l'artificialisation de centaines d'hectares de terres agricoles sur le territoire sud d'Ille-et-Vilaine. La consommation foncière envisagée est en contradiction totale avec les objectifs de la loi climat et résilience qui comprennent une réduction de l'artificialisation des terres. L'amélioration du réseau ferroviaire est un véritable enjeu, mais ne peut se faire en contradiction avec les préservations de la biodiversité et des terres agricoles. De plus, cette nouvelle ligne couperait véritablement le territoire en deux et ne répond pas aux enjeux de mobilité du quotidien, mis en avant par la Première ministre à l'occasion de la remise du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures. Encore une fois, nos communes rurales sont sacrifiées pour la desserte de quelques métropoles. La LGV ne répond pas aux enjeux de développement de la mobilité collective en milieu rural et n'apporte aucune solution aux habitants privés de transport en commun dans leur commune. À l'instar de la création d'une nouvelle section LGV entre Rennes et Redon, qui ne répond pas aux enjeux environnementaux et de cohésion du territoire, je vous demande donc ce que le gouvernement compte faire pour que le développement du réseau ferroviaire breton se fasse de manière cohérente et équilibrée. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Mathilde Ignet. Le grand projet ferroviaire de liaison nouvelle Ouest-Bretagne-Pays de Loire consiste à améliorer la performance des liaisons ferroviaires sur les axes Nantes-Rennes-Bretagne-Sud et Rennes-Brest. À l'horizon 2035 et au-delà. Sur le périmètre du projet, nos concitoyens effectuent une très large majorité de leurs déplacements, courtes comme longues distances, en voiture et une minorité par le train. L'objectif du projet est donc d'améliorer l'attractivité du mode ferroviaire par des gains capacitaires et en temps de trajet, afin notamment de répondre à l'enjeu d'améliorer et décarboner les mobilités du quotidien.
Compte tenu notamment des enjeux environnementaux que vous évoquez relatifs à la consommation d'espaces agricoles, à la biodiversité et à l'objectif de lutte contre l'artificialisation, la priorité est bien de réaliser en premier lieu le traitement des nœuds ferroviaires autour de Rennes et Nantes, ainsi que la modernisation du réseau existant pour permettre des améliorations des dessertes sans attendre la création de lignes nouvelles. Néanmoins, sur le tronçon Rennes-Redon, la question de cette ligne nouvelle se posera inévitablement dans un second temps. Sur ce tronçon, les études menées antérieurement ont démontré que le tracé des voies existantes qui suivent la topographie de la vallée de la Vilaine ne permet pas de travaux de relèvement de vitesse apportant des gains de temps significatifs. C'est pourquoi le comité de pilotage du projet a souhaité retenir en janvier dernier le lancement d'études préliminaires des différents aménagements sur ce tronçon, y compris relatives à la section de ligne nouvelle que vous avez évoquée. Soyez assurés que ces études prendront en compte les enjeux environnementaux. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Je vous en prie. Vous savez, je rencontre chaque semaine des citoyens qui me font part des problématiques de mobilité. Et la seule réponse qu'on leur apporte aujourd'hui, c'est de regarder le train passer sans jamais s'arrêter. Alors si vous envisagez de créer de nouvelles gares pour des lignes qui s'arrêtent dans les communes, les habitants ils pourraient peut-être considérer la question. Mais dans l'état actuel, ce projet ne répond pas aux enjeux de mobilité des habitants du territoire. Et d'ailleurs, ils l'ont montré en manifestant en nombre le 10 mars. Merci, Madame la députée. Le député du Cantal est arrivé, Vincent Decker. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé des transports. Je souhaite attirer son attention sur la perspective de remise en service d'une liaison par train de nuit entre Aurillac et Paris. Conformément à la volonté affichée par le gouvernement de développer une offre de train de nuit en direction notamment des territoires les plus enclavés, Jean Castex, alors Premier ministre, a annoncé en octobre 2021 la réouverture de cette liaison interrompue depuis 20 ans. Cette réouverture répond à une demande forte des élus et des habitants du Cantal et d'Aurillac, ville-préfecture qui souffre d'une situation d'enclavement inédite, puisque à l'exception de la ligne aérienne d'aménagement du territoire que soutiennent l'État et les collectivités territoriales, et j'en remercie une nouvelle fois le gouvernement, il ne faut pas moins de 6h30 pour rejoindre par train la capitale. D'après les informations dont nous disposons, la mise en service de cette liaison ferroviaire de nuit pourrait intervenir en décembre 2023. Si nous nous réjouissons de cette décision très attendue, je souhaiterais obtenir des précisions sur les modalités de fonctionnement de cette desserte, de sa fréquence, de ses horaires et la nature du matériel roulant qui serait mobilisé, ceci afin de s'assurer que le niveau de service et le confort proposé correspondent à ce que peuvent en attendre les futurs voyageurs. Vous remerciant des précisions que vous voudrez bien m'apporter, je souhaiterais que vous puissiez me confirmer, conformément aux engagements du Premier ministre Jean Castex, qu'il s'agira bien d'une liaison de plein exercice, susceptible de répondre aux attentes de tous les usagers et pas seulement d'une clientèle touristique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vincent Decker. Je vous confirme la mise en service prochaine d'un train de nuit Paris-Aurillac, comme cela a été annoncé, vous l'avez rappelé, à la fin de l'année 2021 par le Premier ministre Jean Castex. La date précise de mise en service ainsi que la fréquence et les horaires de ce train seront présentés aux élus et aux associations d'usagers lors du comité de suivi des dessertes ferroviaires des lignes de nuit du Sud-Ouest, prévu très bientôt à la fin du mois de mai. Le gouvernement partage avec vous la conviction que le train de nuit constitue une offre de transport nécessaire pour répondre à des enjeux forts d'aménagement du territoire, du fait notamment de l'absence d'alternatives, mais également une offre écologique et touristique bénéfique pour nos territoires. Le ministre des Transports est pleinement engagé pour le redéploiement des trains de nuit. 100 millions d'euros y ont été consacrés dans le cadre du plan France Relance.
Cet effort sans précédent a notamment permis de rénover le matériel corail de nuit qui sera utilisé pour la desserte en question entre Paris et Aurillac. Les trains ont subi une rénovation des literies et des sanitaires. Ils auront à bord des équipements de prise électrique ainsi que du Wi-Fi. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Oui, merci, monsieur le ministre, pour votre réponse. Si j'ai souhaité poser cette question ce matin, c'est parce que des informations pouvant laisser à penser qu'il ne s'agirait pas d'une ligne régulière et quotidienne nous parviennent avec insistance. Alors j'ai écouté avec beaucoup d'attention votre réponse et je me permets d'insister sur la nécessité pour notre département de disposer d'une liaison de nuit quotidienne et régulière entre Aurillac et Paris. C'est pour les usagers du train la seule manière de se rendre à Paris sans y consacrer une journée entière, puisque, je le rappelle, il faut 6h30 dans les conditions optimales, le terme est mal adapté, vous en conviendrez, pour rejoindre Paris. Je vous demande donc, monsieur le ministre, de confirmer solennellement les engagements pris par le Premier ministre Jean Castex devant les maires du Cantal à l'occasion d'un déplacement dans notre département et de nous assurer de veiller à ce que cette ligne soit bien demain une ligne quotidienne ouverte à tous les usagers. Monsieur le ministre, vous souhaitez reprendre la parole ? C'est bon ? Merci, monsieur le député. Nous partons dans l'Allier. Monsieur Nicolas Rey. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre. Ma question porte sur le projet de contournement nord-ouest de Vichy, promis par l'État il y a plus de 20 ans, lors de la fermeture du site d'armement Giat-Manurin. Depuis cette date, tous les autres partenaires du contrat de site ont réalisé leurs engagements. La société AP2R a construit la desserte autoroutière en 2015. Le conseil départemental a réalisé le contournement sud-ouest en 2016. Et la communauté d'agglomération a mis en service le boulevard urbain en 2017. Seul l'État n'a pas rempli sa part du contrat. Le contournement nord-ouest est en effet le dernier maillon manquant, sans lequel d'ailleurs les autres ne pourront produire leur plein effet. Pour rappel, ce contournement doit permettre de désengorger les actuels RD6 et RD2209, un axe utilisé par plus de 22 000 véhicules jour, dont plus de 20% de poids lourds, et qui borde des lieux emblématiques de notre agglomération, l'Hippodrome, le Centre Omnisport, le Krebs. Le 21 février dernier, la commission d'enquête publique a rendu son rapport. Elle a souligné les nombreux bienfaits de ce projet, tant pour la réduction des nuisances que pour le développement de nos zones d'activités économiques. Toutefois, elle a rendu un avis négatif, notamment pour des considérations environnementales. S'ils doivent bien évidemment être pris en compte, ces aspects ne doivent pas empêcher la réalisation de cette infrastructure vitale pour notre territoire. Encore une fois, et comme pour l'avis rendu pour les travaux de la ligne ferroviaire Paris-Clermont, on constate que ces autorités indépendantes, dépourvues de toute légitimité, empêchent ou retardent très souvent la réalisation de projets d'aménagement structurants pour nos territoires. Il faudrait considérer et envisager de supprimer le caractère contraignant de tous ces avis, qui ne devraient être d'ailleurs que consultatifs. Par ailleurs, comme vous le savez, le Conseil d'orientation des infrastructures a remis récemment son rapport à Madame la Première ministre. Le scénario qui a été retenu, dit de planification écologique, nous inquiète, monsieur le ministre. Le grand perdant de ce scénario, ce sont justement les routes et nos territoires ruraux. Ce rapport ne cite même pas la célèbre RN7, dont les travaux de modernisation doivent être poursuivis aussi bien dans l'Allier que dans la Loire. C'est pourquoi, monsieur le ministre, j'aimerais savoir comment vous comptez soutenir la réalisation du contournement nord-ouest de Vichy, tant sur le plan technique que financier, et si le financement de l'État sera bien inscrit dans le volet mobilité du prochain contrat de plan État-région. Merci. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Nicolas Rey. Comme vous le rappelez, le projet de contournement nord-ouest de Vichy est une opération sous maîtrise d'ouvrage de l'État et pour laquelle les attentes locales sont fortes. Elle doit permettre de dévier le trafic de transit des zones résidentielles de l'agglomération et d'améliorer la desserte de zones économiques.
Une enquête publique s'est déroulée du 28 décembre 2022 au 6 janvier 2023. La commission d'enquête, vous l'avez rappelé, a formulé un avis défavorable à la fois sur l'utilité publique du projet et sur la demande d'autorisation environnementale. L'avis de la commission d'enquête est ainsi en cours d'examen par les services de l'État, avec l'objectif de garantir la sécurité juridique des décisions qui seront prises, qu'il s'agisse de la déclaration d'utilité publique ou de l'autorisation environnementale, ces deux sujets étant distincts. Par ailleurs, et comme l'a rappelé la Première ministre lors de la remise du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, nous ne pouvons pas faire l'économie d'une réflexion sur chaque projet d'extension du réseau routier. C'est dans ce cadre que nous examinerons une possible inscription de l'opération dans le prochain volet de mobilité du contrat de plan État-région. Et il n'est pas possible d'anticiper dès à présent le résultat des négociations qui seront menées par la préfète de région et avec les collectivités locales. Les besoins exprimés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes sont en effet très importants. Une forte participation des collectivités locales sera dans tous les cas nécessaire pour permettre la bonne poursuite de l'opération qui devrait se poursuivre, si sa priorité est confirmée, sous la maîtrise d'ouvrage de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de l'expérimentation prévue à la suite à la loi 3DS. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci, monsieur le ministre, pour ces précisions. Rappelons que c'était un engagement de l'État, puisque je vous l'ai expliqué, la part du contournement avait été répartie entre les différents acteurs publics. Cela fait plus de 20 ans que nous attendons ce contournement. Il est attendu par une écrasante majorité de la population. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il est temps que l'État tienne sa parole. Merci, monsieur le député. Nous partons dans les Pyrénées-Atlantiques. Le Tour de France continue. Madame Florence Lasserre. Le Tour de France continue, mais pas à vélo. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, la crise énergétique que nous connaissons aura eu bien des effets délétères, mais elle aura au moins obligé tous les secteurs d'activité à accélérer leurs efforts de décarbonation. Ce matin, je souhaiterais vous parler du secteur aérien qui, malgré sa volonté, se trouve aujourd'hui dans l'incapacité de continuer ses efforts pour réduire à court terme son empreinte environnementale. Pour assurer la transition énergétique de ses transports, la France a fait le choix d'une taxe incitative relative à l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports qui élève chaque année les obligations d'incorporation de renouvelables dans le mix des carburants. Malheureusement, cette mesure qui devait favoriser l'incorporation de biocarburants d'aviation dans les carburéacteurs ne joue pas son rôle incitatif, puisque les filières de production de carburants aéronautiques durables, les CAD, ne sont pas suffisamment matures et ne peuvent donc répondre à la demande forte des compagnies aériennes. La taxe n'est donc pas, à l'heure actuelle, vertueuse, dès lors que les compagnies aériennes, en l'absence d'une offre structurée de CAD, en sont automatiquement redevables. Cela impacte les finances des entreprises du secteur, qui diminuent d'autant leurs investissements en R&D pour développer l'avion vert. Alors que les technologies de propulsion électrique et à hydrogène apparaîtront qu'à l'horizon 2030-2035 et ne seront viables qu'au-delà de 2050, les CAD sont la seule option à court terme qui permettrait d'assurer une décarbonation efficace et durable du secteur aérien. Aujourd'hui, seules 6 filières de production au niveau mondial garantissent un niveau de sécurité de vol optimal, mais la production est extrêmement réduite. Aussi, monsieur le ministre, je souhaiterais connaître les actions engagées par le gouvernement pour faire émerger une filière de production de CAD qui permettrait au transport aérien de participer pleinement à la décarbonation du secteur des transports. Et d'autre part, comptez-vous mettre en place des mesures pour éviter toute distorsion de concurrence entre les compagnies françaises soumises à l'obligation d'incorporation de renouvelables et les compagnies internationales non soumises aux mêmes obligations ou à des obligations équivalentes et qui pourraient donc, sans ces mesures, continuent à faire voler leurs appareils grâce à des carburéacteurs d'origine fossile dont le prix est 4 fois moins élevé que celui des carburants aéronautiques durables. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Florence Lasserre. L'objectif réaffirmé par les ministres chargés des transports, de l'industrie et de l'énergie devant l'ensemble des acteurs industriels le 14 février dernier est de favoriser la création en France d'une filière de carburant durable permettant au secteur aérien d'atteindre ses objectifs de décarbonation en 2050 tout en assurant l'indépendance énergétique de la France et la création d'emplois dans les territoires en lien
avec nos filières agricoles et de traitement des déchets. L'État a d'ores et déjà apporté une aide financière à travers une enveloppe de 200 millions d'euros pour soutenir des études de recherche et développement et la mise en place des premiers démonstrateurs. Cette mesure est en outre accompagnée des mesures réglementaires nécessaires. Ainsi, l'application au carburant d'aviation que vous évoquez permet de soutenir le développement de la production nationale de carburant durable en encourageant les acteurs à adapter leurs outils industriels, comme en témoigne l'annonce de la transformation de la raffinerie de Total Énergie Grand Puits en bioraffinerie. Certes, comme vous le soulignez, le marché de la production des carburants durables reste encore peu mature et les transporteurs aériens n'ont pas accès facilement à l'achat de ces carburants. Les premières annonces de contrats d'achat à moyen terme de carburants d'aviation durable commencent également à être faites par les compagnies aériennes. Enfin, une réflexion est également engagée dans le cadre du groupe de travail de haut niveau lancé par le gouvernement au mois de février dernier sur les leviers concrets à déployer pour lever les freins constatés aujourd'hui à la massification de la production et de l'utilisation de carburants durables. Au niveau européen, vont également porter leurs fruits les premières mesures de soutien à l'achat de carburants d'aviation durables prises à l'occasion de la révision de la directive ETS Aviation au moyen de la conservation jusqu'en 2030 d'environ 20 millions de quotas gratuits qui serviront à compenser tout ou partie de la différence de prix entre ces carburants durables et le carburant fossile. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Parfait. Eh bien, monsieur Plassard, député de Charente-Maritime. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues. Je souhaite vous alerter sur les difficultés rencontrées par la communauté de communes de l'île d'Oléron à la suite de l'épidémie du Covid-19. En effet, la communauté de communes avait renouvelé la délégation de services publics de son centre de loisirs en janvier 2021. Afin de répondre à la mise en concurrence, la société qui a obtenu la délégation a créé une société d'exploitation dédiée, donc sans historique financier. Pour cette raison purement administrative, la société exploitante n'a pu recevoir aucune aide de l'État face aux conséquences de la crise Covid et des mesures qui ont pu être prises pour lutter contre l'épidémie. En effet, elle a été créée après la date mentionnée par le décret, alors que le centre existe depuis 2009 et qu'il est actif de façon ininterrompue depuis. Ceci dans le respect des règles des marchés publics, bien sûr. Ainsi, la communauté de communes de l'île d'Oléron a été contrainte d'indemniser la société exploitante à hauteur de 575 000 euros sur la base de l'activité passée de la structure précédemment concessionnaire, comme convenu contractuellement. La communauté de communes de Haute-Saintonge a connu une situation parfaitement similaire et a obtenu une compensation de l'État à hauteur de près de 500 000 euros pour les Antilles de Jonzac, un établissement du même type. C'est pour ça, monsieur le ministre, que j'en appelle à votre bienveillance et à celle du gouvernement pour ne pas pénaliser une communauté de communes victime de la crise sanitaire et d'un cadre réglementaire n'ayant pas prévu cette configuration juridique alors qu'elle agit dans les règles pour le bien commun de ses administrés. Je me tiens à votre disposition et peux vous transmettre le dossier complet et vous remercie de l'attention que vous pourrez porter à ce dossier. Merci. Merci, monsieur le député, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Christophe Plassard. Le centre de loisirs des Antilles de Jonzac dont vous avez parlé, est exploité en régie par la communauté de communes de Haute-Saintonge sous la forme d'un service public industriel et commercial depuis 2006. Dans le cadre de la crise sanitaire et compte tenu de sa perte d'épargne brute et de recettes réelles de fonctionnement constatées entre 2019 et 2020, la régie a pu bénéficier en effet d'une aide en 2021 dans le cadre du dispositif de soutien aux régies exploitant un service public à caractère industriel et commercial institué par les articles 26 de la loi de finances rectificative pour 2021 du 19 janvier 2021. Le centre aquatique de l'île d'Oléron est différent car il n'est pas géré en régie, mais dans le cadre d'une délégation de services publics débutée en 2021. De ce fait, la communauté de communes d'Oléron ne pouvait bénéficier pour 2020 d'une aide équivalente à celle perçue par la régie de la communauté de communes de Haute-Saintonge, qui avait subi de lourdes pertes du fait des mesures sanitaires. L'indemnisation versée par la communauté de communes de l'île d'Oléron à l'exploitant a représenté moins de la moitié de la perte qu'avait pu constater en 2020 la régie pour son propre équipement de loisirs. D'une façon plus générale, la communauté de communes de l'île d'Oléron présentait 2022 une bonne santé financière.
Ma collègue Dominique Faure a demandé aux services de l'État de rester pleinement attentifs à l'évolution de la situation financière de cette communauté de communes. Si la charge exceptionnelle que lui impose le soutien à la société gérant son équipement de loisirs s'avérait trop importante, nous pourrons accorder à la communauté de communes, si elle en fait la demande, la faculté de procéder à un étalement de charges afin de lisser dans le temps cette dépense exceptionnelle. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Oui, alors merci de votre réponse, monsieur le ministre. Cependant, la différence de traitement entre les deux établissements est effectivement liée à la différence juridique, mais c'était essentiellement parce que la concordance des dates faisait que la nouvelle concession démarrait postérieurement à la date du décret. Et donc, la relation contractuelle imposait à la communauté de communes de payer cette indemnisation. Et ce n'est pas parce que la communauté de communes de l'île d'Oléron a une santé financière correcte, qui est le fruit d'une bonne gestion, qu'il devrait en avoir du coup la charge. Donc je pense qu'il faut déconnecter la santé financière qui est liée à la bonne gestion par les élus locaux de la communauté de communes de l'île d'Oléron de la configuration, je dirais, juridique qui exclut une perte qui est une perte réelle et qui, dans une configuration vraiment comparable, à part le juridique, je vous en fais gré, de deux sites qui sont sur le même département, qui exercent la même activité et pour lesquels les pertes étaient équivalentes, puissent avoir dans un cas une aide de l'État de 500 000 euros et dans l'autre cas à décaisser ces 500 000 euros sur leurs fonds. Je remercie d'avance le gouvernement de l'étude qu'elle voudra bien faire de ce cas particulier. Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur Charles de Courson. Monsieur le ministre, suite au transfert à la région Grand Est de la RN 4 et de la RN 44 à compter du 1er janvier 2024, dans le cadre de la loi 3DS du 21 février 2022, deux questions se posent. Tout d'abord, la réalisation de la mise à quatre voies du tronçon de la RN 44 entre Moncey-Langevin et Châlons en Champagne, ainsi que des deux ronds-points de sécurité, l'un sur la RN 44 à hauteur de Couvreau et de Soulanges, l'autre sur la RN 4 à hauteur de Vauclay et d'Écrienne, a été promise par l'État aux élus locaux. Comment ces deux ronds-points seront-ils réalisés, ainsi que cette section de la RN 44 seront-ils réalisés ? Par l'État ou par la région Grand Est, après transfert des crédits de l'État à la région Grand Est ? En second lieu, la création par ordonnance de la taxe poids lourd prévue par l'article 137 de la loi du 22 août 2021, dite loi climat et résilience, comporte une date limite, le 1er janvier 2024. Le gouvernement envisage-t-il toujours de promulguer cette ordonnance avant le transfert aux régions et départements, au 1er janvier 2024, d'une partie de la voirie nationale ? Merci, monsieur le député, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Charles de Courson. Les projets de création de giratoires que vous évoquez s'inscrivent dans le cadre plus large d'une opération de sécurisation de la RN4 et de la RN44 dont l'État conduit les études. Un financement de 6,5 millions d'euros a déjà été mis en place au titre du contrat de plan État-région 2015-2022. Ce financement est disponible et permettra le lancement des travaux en 2024 du giratoire sur la RN44 en 2024. Le giratoire sur la RN4 sera traité dans un second temps. Dans le cadre de l'expérimentation organisée par la loi dite 3DS et après conclusion de la convention de mise à disposition des sections concernées pour la région Grand Est, dont font partie les RN4 et RN44, la maîtrise d'ouvrage de l'opération a vocation à être portée par la région. Le lancement des travaux au-delà de 2023 se ferait donc sous l'autorité de la région Grand Est, qui conserverait le bénéfice des crédits déjà en place qui lui seraient mis à disposition sous forme de subventions. Il convient de noter que les services actuellement chargés de la maîtrise d'ouvrage des opérations routières, sur les axes concernés par l'expérimentation seront de plus mis à disposition de la région, ce qui est de nature à faciliter le transfert de la maîtrise d'ouvrage. En ce qui concerne le projet d'ordonnance relative aux contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises prévues par l'article 137 de la loi Climat et Résilience, je vous confirme qu'il est en cours d'élaboration en vue d'une publication d'ici à la fin du premier semestre 2023. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, merci de ces réponses précises sur le deuxième et le troisième point.
Il manque simplement la réponse sur le tronçon de la RN 44 entre Moncey-Longevin et Châlons en Champagne, sur lequel les préfets successifs ont tout fait pour l'inscrire dans les contrats de plan État-région. Donc sur ce point, peut-être que, monsieur le ministre, vous avez un élément supplémentaire. Monsieur le ministre. Monsieur le député, je n'ai pas d'éléments supplémentaires, mais je demanderai à mon collègue Clément Beaune de vous le faire parvenir très rapidement. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur Thomas Cazenave. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, je souhaite vous interroger sur l'extinction des tarifs réglementés du gaz dans les zones régies par des entreprises locales de distribution. La suppression des tarifs réglementés vise à mettre le droit français en conformité avec le droit européen. Elle poursuit l'objectif de mise en concurrence de la distribution du gaz, lequel doit permettre aux consommateurs de bénéficier des prix les plus compétitifs. Toutefois, l'application de ces normes pose problème dans les territoires couverts par les entreprises locales de distribution, comme c'est le cas en Gironde. Dans ces zones représentant 5% des consommateurs français, les barrières à l'entrée du marché sont plus élevées, car ces réseaux fonctionnent de manière autonome et distincte du reste du territoire national. Cela se couple, dans certains territoires, à des réalités géographiques qui ont pour effet une augmentation structurelle du prix du gaz, ce qui impacte particulièrement l'ouest de la France. Ainsi, la concurrence peine à se développer en Gironde, ce qui est de nature à inquiéter les consommateurs avec l'extinction prochaine des tarifs réglementés. Cette inquiétude est exacerbée par les interrogations autour des tarifs de l'énergie, dont les modalités de calcul doivent être communiquées par la Commission de la régulation de l'énergie dans les mois à venir et qui fait craindre une forte augmentation des prix. Ainsi, comment accompagner nos concitoyens dans la mise en place des nouveaux tarifs et faire en sorte qu'elles se fassent de manière transparente pour tous ? Plus globalement, comment garantir les conditions d'une concurrence efficace dans les territoires couverts aujourd'hui par les entreprises locales de distribution avant l'extinction des tarifs réglementés ? Je vous remercie et me tiens à la disposition du gouvernement sur ce dossier. Merci, monsieur le député, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Thomas Cazenave. Les entreprises locales de distribution ont l'exclusivité de la fourniture aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel pour leur zone de desserte, au même titre pour les autres zones du territoire. Les entreprises locales de distribution ont également la capacité de développer la commercialisation d'offres de marché comme tout fournisseur autorisé. Les fournisseurs alternatifs ont la possibilité de développer librement des offres de marché sur l'ensemble du territoire, y compris sur les zones de desserte des ELD. Il existe actuellement plus d'une quinzaine de fournisseurs alternatifs proposant des offres de fourniture aux consommateurs résidentiels. Ces fournisseurs alternatifs n'ont pas l'obligation de proposer des offres de marché sur tout le territoire. Ainsi, le nombre d'offres de marché auxquelles peuvent souscrire les consommateurs dans certaines zones peuvent rester temporairement limitées. Un groupe de travail sous l'égide de la Commission de régulation de l'énergie étudie actuellement la levée des barrières techniques qui peuvent freiner certains fournisseurs alternatifs et les conduisent à ne pas proposer des offres de fourniture dans des zones de desserte des ELD. Dans sa délibération du 16 mars 2023, la CRE considère que ces conditions contractuelles ne sont pas de nature à verrouiller le marché et permettent bien à la concurrence de s'exercer librement. La CRE a déjà publié son indice de référence de calcul des coûts d'approvisionnement en gaz dans la continuité des TRV et la plupart des fournisseurs, y compris des ELD, ont indiqué souhaiter proposer des offres indexées sur cet indice. Par ailleurs, la CRE publiera un prix complet de référence moyen du gaz naturel pour permettre à tout consommateur de vérifier que l'offre qui lui est proposée correspond aux standards du marché, y compris après le 1er juillet 2023. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Pierre Cordier, député des Ardennes. Merci, monsieur le président. Bonjour, monsieur le ministre. Effectivement,
député des Ardennes. Je veux me faire, monsieur le ministre, ce matin, le porte-parole des chefs d'entreprise, des ingénieurs et des employés des entreprises ardennaises qui travaillent dans le domaine de l'automobile, dans la fonderie, dans la forge, l'estampage ou l'usinage. Hier, quatre pays ont obtenu, monsieur le ministre, la possibilité de toujours fabriquer des moteurs thermiques s'ils utilisent des carburants de synthèse. Dans le département des Ardennes, il y a énormément d'entreprises qui travaillent pour le secteur automobile et qui sont des entreprises qui sont particulièrement inquiètes quant à cette transition rapide, finalement, d'ici 2035, avec la mise en place des moteurs électriques. Donc, j'allais dire, même si la France est toujours avant-gardiste dans ce domaine et que nous sommes tous ici des écologistes en puissance, monsieur le ministre, et que nous sommes très soucieux de l'avenir de notre planète, il n'en demeure pas moins que nous sommes également très soucieux de l'avenir de notre industrie et que dans ce secteur automobile, et notamment dans la vallée de la Meuse, dans mon département des Ardennes, les entreprises sont inquiètes. Je voudrais savoir, monsieur le ministre, si finalement la France devrait sacrifier des emplois dans des territoires fragilisés comme le département des Ardennes pour toujours avoir l'air plus vertueux, alors que d'autres pays comme l'Inde, comme la Chine, comme les États-Unis ou d'autres ne se préoccupent pas de ces questions. Alors vous allez me dire, c'est pas parce que des pays ne s'en occupent pas qu'il faut que nous on s'en occupe. Il n'en demeure pas moins que nous avons vraiment le souci de préserver ces emplois qui sont très importants. Et cette ouverture qui a été faite hier en direction de quatre pays de l'Union européenne pourrait faire aussi jurisprudence en France dans les prochaines années. Je vous remercie. Merci, monsieur le député, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Pierre Cordier. Dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, la France a porté en effet un agenda ambitieux en matière de transition écologique et énergétique pour lutter contre le dérèglement climatique. Le gouvernement soutient le projet européen de fixer un objectif de fin de vente des véhicules légers neufs thermiques d'ici 2035, ainsi que le prévoit l'accord provisoire obtenu en trilogue le 27 octobre 2022 et le texte voté par le Parlement européen le 14 février 2023. Il est absolument nécessaire pour tenir nos engagements climatiques et atteindre la neutralité carbone des transports d'ici 2050. Il fixe un objectif clair et donne de la visibilité à la filière automobile française dans la planification de ses développements et de ses investissements. Certains acteurs non européens ont acquis en matière de batteries et de véhicules électriques une avance technologique qu'il convient désormais de rattraper en fixant un cap stratégique qui ne laisse planer aucune ambiguïté quant aux décisions industrielles à prendre, car rien ne serait pire en l'occurrence que de maintenir notre filière dans une incertitude technologique durable qui la pousserait à disperser ses efforts de recherche, de formation et d'investissement. Pour accompagner la reconversion des sites industriels fortement impactés par la fin de la production des moteurs thermiques et soutenir la production de véhicules électriques sur le territoire français, le gouvernement consacre des soutiens aux investissements massifs dans le cadre de France 2030. 1 milliard d'euros est ainsi spécifiquement dédié à la filière automobile et au soutien de projets innovants, comme par exemple les batteries électriques. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. J'ai beaucoup de respect pour vous, monsieur le ministre, mais c'est vrai que j'aurais souhaité que le ministre de l'Industrie ou le ministre de l'Économie et des Finances, qui maîtrise effectivement ce sujet, puisse me répondre. Est-ce que vous savez, monsieur le ministre, que dans un moteur thermique, il y a 200 pièces fabriquées et que dans un moteur électrique, il y en a 100? Et que par rapport à ces perspectives et à ce qui se passe dans les autres pays de la planète, eh bien, voilà, on se pose quand même des questions. Et toute cette petite industrie de la forge, de l'usinage, de l'estampage va énormément souffrir dans les prochaines années. Il y a aussi des difficultés liées au recrutement parce qu'aujourd'hui, ben, les ingénieurs, les employés qui veulent travailler dans ce domaine se grattent un petit peu la tête, si vous me passez l'expression, et se disent ben, c'est pas la peine d'aller dans ce type d'industrie parce que de toute façon, d'ici quelques années, ce sera fini. Donc c'est vraiment un message d'inquiétude que je vais vous faire passer ce matin, monsieur le ministre, par rapport à toutes ces petites PMI, PME qui sont dans nos territoires et qui vont énormément souffrir dans les prochaines années, alors que des pays de l'Union européenne viennent d'obtenir une dérogation.
Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, vous aviez un mot à ajouter, je vous en prie. Oui, monsieur le député, alors vous ne connaissez peut-être pas mon passé, mais j'ai enseigné les sciences très longtemps, donc je sais parfaitement comment fonctionne un moteur thermique à explosion et un moteur électrique. Et je sais aussi l'inquiétude des petites entreprises, mais le gouvernement, et je l'ai indiqué à travers France 2030, accompagne les entreprises dans leur reconversion. Cette reconversion, elle est nécessaire pour l'avenir de notre planète. Oui, elle pose des problèmes d'adaptation, mais nous devons nous adapter et accompagner les entreprises dans leur transformation. La fin du moteur thermique fort émetteur de gaz à effet de serre est une nécessité pour notre planète. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Eh bien, la question suivante est posée par monsieur le député de l'Ain, monsieur Romain Daubier. Monsieur le ministre, ma question porte sur un double enjeu fondamental pour notre pays, la décarbonation de l'énergie face au réchauffement climatique et la reconquête de notre souveraineté énergétique dans le contexte international que nous connaissons. Il y a un peu plus d'un an, en février 2022, le président de la République, dans son discours dit de Belfort, a annoncé le lancement d'un grand programme de construction de 6 réacteurs de nouvelle génération. Et il a également laissé ouvert la possibilité d'en édifier 8 autres. On parle ici évidemment d'EPR2, technologie qui a tiré tous les enseignements de la première génération, comme à Flamanville, et s'est ratée. Avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, le coût de l'énergie a connu une hausse que les particuliers, les entreprises et les collectivités ne pourront pas supporter durablement. Il est inutile de vous rappeler ici l'intérêt du nucléaire pour une énergie décarbonée qui répond également parfaitement aux enjeux liés au réchauffement climatique. La nécessité d'assurer l'indépendance énergétique de ce plan de développement nucléaire, au vu des 46 milliards qui lui sont alloués, est également une opportunité pour le développement des territoires. Les députés ont fait leur part du travail en votant ici, la semaine dernière, une loi qui permettra de construire plus rapidement ces EPR2 en simplifiant les procédures administratives, tout en ne faisant aucun compromis sur la sûreté des installations. Dans les territoires, et je pense en particulier au parc industriel de la Plaine de l'Ain, des élus, des acteurs locaux ont fait leur part également de travail en prenant des délibérations favorables à l'installation de PR deuxième génération, en modifiant des schémas de cohérence territoriale, en modifiant des PLU et en faisant des acquisitions foncières. C'est donc tout un département, monsieur le ministre, qui en attend de la décision de l'exécutif afin de savoir s'il pourra accueillir le prochain réacteur de nouvelle génération. C'est pourquoi, monsieur le ministre, j'aimerais en savoir plus sur le calendrier de communication de la décision de localisation des futurs EPR en Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Romain Daubier. Comme vous le rappelez, lors de son discours prononcé à Belfort le 10 février 2022, le président de la République a fixé un objectif clair et ambitieux à notre pays, faire de la France le premier grand pays industriel à sortir de sa dépendance aux énergies fossiles et à atteindre la neutralité carbone. La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, déploie une stratégie énergétique qui repose sur 3 piliers indissociables. La sobriété et l'efficacité énergétique, l'accélération du déploiement des énergies renouvelables et la relance de notre filière nucléaire. C'est dans ce cadre qu'un plan de sobriété a été présenté en octobre dernier, qu'une loi sur l'accélération de la production d'énergie renouvelable a été promulguée et qu'un projet de loi sur le nucléaire a récemment été voté par l'Assemblée pour préparer le financement du programme des 6 EPR2 et de la mise à l'étude de 8 supplémentaires. Plusieurs localisations possibles pour de nouveaux réacteurs nucléaires ont été identifiées par l'entreprise EDF sur les sites actuels de centrales nucléaires de Penly en Seine-Maritime, de Gravelines dans le Nord, de Bugey dans l'Ain et de Tricastin dans la Drôme. La localisation des sites de leur implantation sera le cas échéant proposée par le maître d'ouvrage du projet, comme l'entreprise EDF l'a fait en saisissant en avril 2022 la Commission nationale du débat public d'un projet de construction d'une première paire de réacteurs de technologie EPR2 sur le site de Penly en Normandie.
Le département de l'Ain est important pour la filière nucléaire française, tant par la présence de la centrale nucléaire de Bugey que par l'écosystème industriel de la plaine de l'Ain, dont elle a accompagné le développement. Le gouvernement veillera donc bien à anticiper les décisions et à informer le plus tôt possible les acteurs des territoires. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Je vous remercie pour votre réponse. Au moins, c'était bref. Nous attendons l'arrivée. Elle est plus très loin, car nous sommes en avance. Je vais remercier monsieur le ministre de la Ville de sa présence, de la Ville et, de la et du logement. Nous attendons Madame Darrieussecq, ministre déléguée à l'autonomie aux personnes handicapées, et nous pourrons prendre la question de Monsieur Lacresse dès que la ministre est arrivée, mais nous sommes en avance, elle n'est pas en retard. Au revoir, Monsieur le ministre. Je vais suspendre une minute trente, le temps que la ministre arrive. Je vous remercie. La séance est reprise. Bonjour Madame la Ministre, merci. Nous sommes un peu en avance, pardonnez-nous. Et la première question qui vous est posée émane de Monsieur Emmanuel Lacresse. Monsieur le Président, Madame la Ministre, avant la fin de la décennie, la France aura reconstruit les grands immeubles des CHU du plan Debré de 1958. Vous aurez donné un nouveau visage à ces lieux triomphes de la science qui sont essentiels pour les moments forts de notre vie familiale et pour l'unité des métropoles universitaires et régions qui les entourent. C'est le cas du plateau de Brabois à Nancy, qui est l'épicentre du développement de la métropole lorraine depuis 1975. La concentration exceptionnelle de talents au CHU de Nancy classe le classe 5e sur les 50 meilleurs hôpitaux de France avec 30 spécialités, 9000 emplois, 1300 étudiants. Et nous avons un projet d'institut hospitalo-universitaire de l'intestin qui attend une validation pour manifester le dynamique qui s'est noué autour de lui. Un budget de 420 millions d'euros avec reprise de dette de 128 millions d'euros avait été annoncé le 19 mars 2021 en pleine crise sanitaire. Je crois que tous se souviennent des circonstances de l'époque. Un pôle des urgences a été annoncé dans les documents pour 2025 et le schéma directeur immobilier prévoit une réaffectation ambitieuse des emprises qui sont au cœur de la ville depuis la fin du 19e siècle. Ma question porte sur le processus global de conception du nouvel hôpital de Nancy, qui est aussi la place de formation universitaire de la région depuis la création de l'université en 1598. Madame le ministre, les Nanciens sont reconnaissants à l'État d'avoir ouvert une concertation. Ils souhaiteront connaître dans un avenir proche l'orientation de l'administration sur les enjeux clés de ce gigantesque puzzle et notamment la date de réhabilitation du bâtiment Canton 2, si elle interviendra avant la phase 2, et la date de cessation d'utilisation de la barre qui domine notre ville depuis maintenant 50 ans, mais comme d'autres villes françaises. Le projet prévoit surtout en effet une vaste déconstruction. Le préfet a rallié les collectivités à un groupement d'intérêt public à cet égard pour dessiner un nouvel échangeur d'autoroutiers depuis la patte d'oie de Ludre, le Canyon et jusqu'à l'entrée de la 31 dans l'Axou. Le ministre des Transports, Clément Beaune, est venu récemment à Nancy, pleinement conscient de cet objectif. Alors ma question est, avons-nous l'assurance, Madame la Ministre, que l'accès à Brabois est une priorité d'investissement national? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Emmanuel Lacresse, d'abord, sur un plan général, la bonne desserte des hôpitaux et lieux d'accès à la santé est un enjeu majeur, bien sûr, et à ce titre, l'accessibilité au futur complexe hospitalier de Nancy ne se limite pas au seul aspect routier, qui doit être, bien sûr, optimal. L'État a initié sur le bassin de vie de Nancy donc cette démarche partenariale et multimodale, mobilisant les collectivités locales, intervenant en matière de mobilité pour étudier avec elles, et dans le respect bien sûr des compétences de chacune, des solutions alternatives permettant de répondre
aux enjeux de mobilité. Cette démarche a vocation à être prolongée dans le cadre donc d'un groupement d'intérêt public, un GIP, en cours de mise en place, au sein duquel le CHRU disposera du statut de membre associé. La construction du CHRU dans le secteur de Brabois, en bordure de l'autoroute A33, figure au premier rang des projets pris en compte dans cette approche. Cette implantation générera en effet une hausse des besoins de déplacement, bien sûr, et nécessite à la fois une desserte multimodale efficace et une optimisation des aménagements routiers. Les résultats d'une première étude initiée par l'État seront présentés prochainement dans le cadre du comité de pilotage mis en place par le préfet. Elle vise à identifier, en tenant compte des projets d'aménagement et des politiques de transport local, bien entendu, il faut que tout soit coordonné, les points de congestion existants ou à venir du réseau routier et à proposer des premiers scénarios d'aménagement. Elle permettra d'initier les échanges sur les aménagements éventuellement nécessaires sur l'agglomération, y compris au droit de l'échangeur du Brabois. Donc tout cela est en pleine étude et les résultats seront présentés très prochainement. Et j'imagine bien sûr que vous serez conviés à pouvoir avoir ces résultats particulièrement importants. Voilà. Merci. Monsieur le député, vous souhaitiez ajouter un mot ? Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre pour votre réponse extrêmement détaillée qui témoigne de l'engagement de l'État. Je crois que l'année 2028 sera l'année vitale pour le projet et il faut que des orientations soient données maintenant assez rapidement. Vous témoignez sur ce point clé de la manière dont les choses sont prises au sérieux. Le CHU de Brabois, c'est plus qu'une fierté régionale, c'est aussi un tournant de notre État-providence, entamé de nouveau plusieurs décennies, notamment à l'heure du changement démographique. Toutes les villes communes qui se trouvent au pied du plateau aujourd'hui connaissent un changement démographique majeur. La prise en charge des aînés devient une absolue priorité. Ça fait partie des éléments de conception du nouvel hôpital. Et à cet égard, je pense que, comme vous l'avez signalé pour l'échangeur, mais pour d'autres aspects de la prise en charge de la vie des aînés, je pense qu'il faut que les maires soient associés pleinement à l'exercice de reconception de la chaîne de prise en charge de soins à l'occasion de la reconstruction de Brabois. Merci, Monsieur le Président. Merci, merci Monsieur le Député. Madame Delpech, députée de la Sarthe. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et de la Prévention, avec qui je souhaite évoquer les problèmes d'accès aux soins dans les territoires ruraux, et plus particulièrement aborder la situation des médecins diplômés hors Union européenne, sans autorisation d'exercice sur le territoire français. Alors que la notion de désertification médicale est entrée dans notre vocabulaire collectif, nos territoires ruraux y sont confrontés de façon particulièrement importante. Certains départements sont plus touchés que d'autres. Les dernières études démontrent que la Sarthe est l'un des départements les plus impactés. La protection de la santé est un principe fondamental de la République inscrit dans notre Constitution. Il ne se passe pas un jour sans que la presse locale ne se fasse le relais de la détresse des Français dans les territoires sous-dotés suite au départ à la retraite de leurs médecins. Plus grave encore, ce sont aujourd'hui les services d'urgence qui ferment faute de professionnels. Plus récemment, en Sarthe, une cinquantaine de chirurgiens de l'hôpital du Mans ont présenté leur démission administrative en dénonçant entre autres la pénurie de médecins et les fermetures répétées de lits d'hôpitaux. À l'heure où les Français ne peuvent pas accéder aux soins dans des conditions acceptables, les médecins à diplôme hors Union européenne pourraient se révéler être une solution efficace. Cela répondrait aux besoins d'accès aux soins dans nos territoires ruraux notamment. Aussi, nombre d'entre eux se soumettent aux épreuves de vérification des connaissances qui constituent la première étape de la procédure d'autorisation d'exercice en France dans l'espoir de recevoir une proposition d'affectation dans les professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou de pharmacien. Toutefois, la dernière session a eu lieu en 2021 et à ce jour, aucune date n'est programmée pour 2023. Il nous faut agir rapidement sur cette problématique de désertification médicale. Aussi, je souhaite savoir si le gouvernement entend s'engager aux côtés de ces médecins méritants afin que la prochaine session des épreuves de vérification des connaissances soit programmée rapidement pour pallier le manque de médecins. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée. Je vous prie d'excuser François Braun, le ministre de la Santé, qui m'a demandé de vous répondre. Alors oui, mieux accompagner les praticiens à diplôme hors Union européenne, les fameux PADU,
dans leur parcours d'autorisation d'exercice est une priorité du gouvernement. Il s'agit bien sûr de l'enjeu individuel pour les intéressés, mais aussi, vous l'avez dit, d'une mesure qui participe pleinement au maintien d'une offre de soins dans de nombreux territoires comme le vôtre. C'était le sens de la procédure dérogatoire créée par la loi du 24 juillet 2019 visant à régulariser les PADHU travaillant dans nos hôpitaux et parfois depuis très longtemps. Dans ce cadre, c'est près de 3800 situations qui seront sécurisées au 30 avril 2023, d'ores et déjà. En outre, cette loi de 2019 a rénové en profondeur la procédure d'autorisation d'exercice avec une voie d'accès unique qui se déroule en trois étapes. Premièrement, la réussite aux évaluations de vérification des connaissances. Deuxièmement, la réalisation d'un parcours de coordination des connaissances hospitalières d'une durée de 2 ans. Et troisièmement, enfin, le passage devant les commissions nationales d'autorisation d'exercice. Alors, la mise en place de cette réforme à partir de février 2022 a entraîné, il faut bien le dire, des difficultés pour certains établissements qui n'avaient pas anticipé le départ de certains praticiens pour ce parcours de consolidation dans un contexte de tension sur les ressources humaines aggravées par la crise du Covid. Aussi, dans la perspective de la prochaine session de ces fameux EVC pour 2023, qui se tiendra à l'automne, le calendrier de certaines échéances a été revu. L'objectif est de mieux anticiper les résultats des EVC et de donner de la visibilité pour les candidats et pour les établissements dans lesquels sont réalisés les parcours de consolidation des compétences. Et en raison de ces ajustements nécessaires pour fluidifier et mieux valoriser les parcours, la publication du calendrier des épreuves des EVC a été décalée. Elle sera communiquée sur le site du ministère de la Santé et de la Prévention, ainsi que sur le site du Centre national de gestion dans les prochains jours. Et bien sûr, nous ne manquerons pas de vous tenir informés de cette date. Et puis, dans le cadre des travaux à venir au Parlement en matière d'immigration, une refonte de la procédure pourra être mise en œuvre également pour tenir compte encore davantage de la diversité des parcours et des situations. Madame la députée, vous souhaitez redire un mot? Merci Madame la Ministre et merci pour votre engagement sur ce sujet pour nos territoires ruraux. Merci Madame la députée. Nous poursuivons avec Monsieur Yannick Favennec-Becco. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Santé et de la Prévention. À vous Madame la Ministre qui le suppléez, la crise sanitaire a eu pour effet d'augmenter les états anxieux et dépressifs au sein de la population et dans des proportions plus importantes chez les enfants et les adolescents. Or, la Cour des comptes, dans un récent rapport sur la pédopsychiatrie, indique que la dégradation de la situation pendant la crise Covid a mis en lumière les faiblesses de l'organisation des soins de pédopsychiatrie et les carences de la politique de prévention dans ce domaine. L'offre d'équipements ambulatoires et hospitaliers est marquée par de fortes inégalités territoriales et la suppression de lits d'hospitalisation au profit des prises en charge dans les centres médico-psychologiques a été appliquée indistinctement au secteur adulte comme enfant. Ces centres sont submergés par les demandes d'informations, de conseils, d'évaluation et de suivi pour tous les troubles psychiques, qu'ils soient légers ou sévères. En outre, vous le savez, Madame la Ministre, le manque de généralistes en Mayenne, par exemple, qui joue pourtant un rôle important dans la détection et le suivi des troubles légers et modérés, le manque de psychiatres et pédopsychiatres, mais aussi de psychologues libéraux, rend encore plus difficile l'accès aux soins psychiques. À ce jour, en France, sur les 1 600 000 enfants et adolescents souffrant d'un trouble psychique, environ la moitié sont pris en charge par des professionnels spécialisés. Dans l'état actuel de l'organisation des soins, une partie des enfants et adolescents suivis dans les centres médico-psychologiques ne souffrent que de troubles légers, au détriment de la prise en charge de ceux souffrant de troubles plus sévères. Pour autant, quelle que soit leur gravité, tous les troubles psychiques des enfants et adolescents sont susceptibles d'évoluer s'ils ne sont pas rapidement pris en charge de manière adaptée. Ainsi, la Cour des comptes formule un certain nombre de recommandations pour rationaliser l'accueil et l'orientation des enfants et adolescents dans le parcours de soins psychiques, mais également pour améliorer la coordination des acteurs entre eux et fluidifier la gradation des soins.
Les auteurs du rapport préconisent notamment la mise en œuvre d'une expérimentation de maisons de l'enfance et de l'adolescence pour assurer un accueil de première ligne plus efficace, ainsi qu'une augmentation dans les territoires sous-dotés des moyens des centres médico-psychologiques pour enfants et adolescents. En outre, l'intervention des psychologues et des IPA dans le parcours de soins pédopsychiatriques en complément des autres professionnels doit être renforcée. Si en Mayenne, pour répondre aux besoins de la population, un premier contrat territorial de santé mentale permettant de faciliter les parcours a été signé en juillet dernier, avec notamment une plateforme pour les jeunes de 16 à 25 ans, les recommandations de la Cour des comptes permettraient d'améliorer et de rationaliser l'accès et l'offre de soins en pédopsychiatrie, notamment dans les déserts médicaux. Aussi, pourriez-vous m'indiquer, Madame la Ministre, quelles sont vos intentions quant à la mise en œuvre de ces recommandations importantes. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous le savez, le ministre de la Santé et de la Prévention accorde une importance prioritaire aux enjeux relatifs à la prise en charge des maladies mentales et de la psychiatrie. Vous le savez aussi, nous avons une grande pénurie de personnes formées, de médecins dans le domaine en particulier. Le déploiement des mesures de la feuille de route santé mentale et psychiatrie issue des assises de 2021 permet des avancées importantes. Par exemple, la réforme en cours d'application du régime des autorisations et du financement de la psychiatrie vont donner aux ARS et aux acteurs locaux des leviers de pilotage plus efficaces pour mieux structurer l'offre spécialisée et accompagner son évolution sur les territoires. En ce qui concerne la Mayenne, la psychiatrie en Mayenne connaît de fortes tensions structurelles avec un fort déficit en ressources médicales. Dans ce contexte, le directeur général de l'ARS Pays de la Loire a impulsé en octobre 22 un travail spécifique de diagnostic et de recherche de solutions piloté par le CHU de référence qui se situe à Angers. Cette mission a rendu son rapport en janvier 2023 avec des actions qu'il convient désormais de déployer. Ces travaux ont été présentés aux élus et parlementaires. Cette réflexion propose donc une consolidation de l'offre de soins à destination des Mayennais autour de trois axes. Le premier, une optimisation de l'offre de soins actuelle alliant une meilleure articulation entre soins hospitaliers avec un rapprochement des acteurs de la psychiatrie et du somatique au niveau des CMP et des MSP. Une meilleure utilisation des soutiens externes aux acteurs de la psychiatrie comme les dispositifs régionaux, le dispositif Vigilant S 3114 et un renforcement de l'offre médico-sociale. Et enfin, un portage collectif de cette organisation par tous les acteurs du territoire, villes, hôpitaux, élus et soignants. L'ensemble de ce travail vient compléter la démarche engagée en 2019 dans le cadre du projet territorial de santé mentale qui prévoit donc de renforcer la prévention, le repérage et le diagnostic précoce en lien avec des dispositifs concrets tels que la maison des adolescents de Laval, l'accompagnement des patients en sortie d'hospitalisation ou encore une action sur les déterminants sociaux, environnementaux et territoriaux dans le cadre des conseils locaux de santé mentale ou des contrats territoriaux de santé mentale. Mais nous sommes, vous le savez, en difficulté par manque de ressources humaines. Donc il faut que tout le monde s'accorde à vouloir faire avancer au mieux la santé mentale dans tous les territoires. Merci, Madame la Ministre. Il n'y a plus de temps, Monsieur Favennec. Et je donne la parole à Monsieur Mathiasin. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, Madame la Ministre, la Haute Autorité de Santé doit rendre son avis sur l'obligation vaccinale contre le Covid-19 des personnels de santé, des pompiers, bien sûr, et des autres professionnels, et cet avis est attendu pour la fin du mois de mars, c'est-à-dire vendredi. Selon une information relayée dans toute la presse le 20 février 2022, et non démenti à ce jour, cet avis devrait être favorable à la fin de l'obligation vaccinale. Plusieurs ministres, dont le porte-parole du gouvernement, ont déclaré que l'avis de la Haute Autorité de Santé serait suivi par le gouvernement. Je rappelle que beaucoup d'élus
dont ceux des Outre-mer et singulièrement ceux de la Guadeloupe demandent depuis des mois la fin de l'obligation vaccinale et la réintégration des professionnels suspendus. La suspension place en effet ces personnels dans une position administrative inédite, sans durée déterminée, hors tout statut de la fonction publique territoriale, hospitalière ou d'État, alors même que nous manquons cruellement de soignants. D'ailleurs, une émission de Zone Interdite diffusée le 12 mars dernier sur M6 intitulée « Hôpital, le combat des soignants pour sauver un système à bout de souffle » révèle que sont recrutés en CDI du jour au lendemain, ipso facto, au poste d'aide-soignante des personnes sans aucune qualification ni expérience professionnelle et sans manifestement qu'on leur ait demandé si elles étaient vaccinées contre le COVID-19. Sitôt embauchées, ces personnes sont amenées à administrer des soins infirmiers, médicaments, pansements aux patients sans qu'on leur vérifie si elles sont vraiment diplômées. Au vu de l'évolution de la situation épidémiologique, des connaissances médicales et scientifiques et des réalités de terrain, la levée de l'obligation vaccinale et la réintégration des personnels soignants serait une solution de sagesse. Madame la ministre, quand le gouvernement entend-il prendre le décret prévu par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire pour mettre fin à la suspension de ces agents, à leur réintégration et, bien sûr, je pense à d'autres personnels suspendus. Madame la ministre. Merci, monsieur le président. Monsieur le député, alors les obligations vaccinales auxquelles doivent répondre les personnels du secteur sanitaire et médico-social concourent, je le rappelle, à une meilleure protection des personnes soignées ou accompagnées, au premier rang desquelles les plus vulnérables, concourent aussi à protéger ces personnels contre d'éventuelles maladies et maladies graves. Depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement appuie systématiquement ses décisions, et en particulier celles touchant à la vaccination, sur des avis de la communauté scientifique. C'est la raison pour laquelle le ministre de la Santé et de la Prévention a procédé mi-novembre 2022 à une saisine de la Haute Autorité de Santé, vous l'avez dit, ainsi que du Comité consultatif national d'éthique. La Haute Autorité de Santé a été saisie par le ministère pour formuler son avis scientifique sur l'obligation de vaccination des soignants contre la COVID-19, mais aussi contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, et contre l'hépatite B. Ces vaccins obligatoires concernent les étudiants et professionnels des secteurs sanitaires, médico-social et en contact étroit avec de jeunes enfants. Compte tenu de l'importance sociétale du sujet, la HAS a décidé de lancer une consultation publique afin de recueillir l'avis des personnes ou institutions concernées. La communication de la HAS du 20 février dernier constitue une ouverture à consultation publique, ce qui n'est pas un avis définitif. Le gouvernement sera amené à se prononcer sur l'opportunité d'une réévaluation de la situation après rendu de deux avis définitifs de la HAS et du CCNE, Comité consultatif national d'éthique. Merci, Madame la ministre. Monsieur le député. Alors, je rappelle, Madame la ministre, que pas moins de 5 propositions de loi ont été déposées sur la question de cette réintégration. Donc, peut-être faudrait-il une 6e proposition de loi. Mais je vous informe, par exemple, que la grippe tue chez nous davantage que le Covid, puisqu'on ne dénombre plus de morts concernant le Covid. Merci, monsieur le député. Je donne la parole à madame Stéphanie Gelzi. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre des Solidarités, qui n'est pas présent aujourd'hui. Alors, madame la ministre, merci par avance pour votre réponse. Je souhaite vous alerter sur la situation de précarité financière des assistants maternels qui, je vous le rappelle, ne gagnent pas l'équivalent d'un SMIC par enfant gardé, madame la ministre, mais gagnent en moyenne 1 400 euros net par mois et non 4 000 euros, comme il a été annoncé dans cet hémicycle. Dans le cadre de mon mandat, j'ai été à la rencontre d'assistantes maternelles et j'ai été sidérée face à la situation qu'elles vivent. Parmi elles, l'histoire d'une femme m'a particulièrement touchée. Alexandra était assistante maternelle dans ma circonscription. Aujourd'hui, elle n'exerce plus.
Alexandra, comme beaucoup d'autres, sont victimes d'un fléau national d'escroquerie. Les parents employeurs déclarent leur salaire sans jamais les verser. La justice se plaide en leur faveur, mais les commissaires ne récupèrent pas les indemnités promises par le tribunal. Les assistants maternels restent impayés et doublement pénalisés par les frais générés, huissiers, avocats, par ces mauvais payeurs qui fraudent et s'organisent, abusant de leurs services gratuitement. Ces fraudes sont trop nombreuses face à des parents bien peu scrupuleux qui laissent leur enfant à garder sans jamais ne rien payer mais encaissent des aides grâce à de fausses déclarations. Cette situation est encore ici inadmissible. C'est de l'argent des Français versé au nom de la solidarité nationale dont il s'agit. En organisant leur insolvabilité, les parents employeurs échappent ainsi à leurs condamnations et peines qui ne leur sont pas appliquées. Il y a ici double urgence, Madame la Ministre. Leur santé est en jeu. Aucun soutien psychologique de ces injustices subies, insomnie, tension et stress, dépression, des années de procédures vaines, conflits liés aux difficultés financières de ces procès et personne, au final, pour défendre leurs intérêts. Je vous raconte ici le cas d'Alexandra, mais combien d'autres femmes sont dans cette situation? Combien faudra-t-il de cas avant que vous ne réagissiez? Cette situation n'a que trop duré. C'est pour cette raison que j'ai déposé une proposition de loi pour réduire la précarité financière des assistants maternels victimes d'impayés. Avec cette loi, je me battrai et je me bats pour soutenir ces femmes en proposant de calquer le système des APL consistant en un versement direct des aides sociales au complément de libre choix du mode de garde afin que les assistants maternels reçoivent une allocation minimale leur permettant de vivre. Des solutions efficaces sont possibles, indemnisation des procès gagnés, sanctions plus sévères, permettre un travail correct des huissiers, ordonnance des juges à faire appliquer irrévocablement, relais vers la CAF pour récupérer les sommes dues. La deuxième urgence est celle de la fraude. Que faites-vous contre ces parents peu scrupuleux qui n'hésitent pas à encaisser les aides de l'État pour les utiliser indûment sans jamais payer leur assistante maternelle? Quand allez-vous agir contre les fraudeurs? Quelles mesures comptez-vous mettre en place pour limiter ces fraudes au complément libre choix du mode de garde? Vous devez mettre fin à cette injustice de toute urgence et entendre leur cri d'alerte. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée. Je vais répondre au nom de Jean-Christophe Combes et je ne me lancerai pas dans une polémique. Je voudrais simplement vous dire que je suis d'accord avec vous pour dire que cette situation de salaire impayé aux assistantes maternelles est absolument scandaleuse et est remontée plusieurs fois au ministère des Solidarités qui a rapidement dressé un état des lieux précis sur cette question. En l'état actuel du droit, la déclaration d'un salaire versé dans le dispositif déclaratif page emploi sans versement effectif du salaire est constitutive d'une fraude au sens de l'article 441-6 du Code pénal. Les montants non versés aux personnes, mais les montants aussi encaissés par les parents potentiels, les aides encaissées par les parents potentiels, peuvent être recouvrés par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en charge du dispositif simplifié page emploi, ainsi que les caisses d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole. Ils peuvent être aussi... il y a des pénalités pour fraude qui existent, qui peuvent être de nature à dissuader les parents employeurs de ne pas verser les salaires dus à leurs assistants maternels agréés. Il s'agit d'un garde-fou indispensable contre les impayés. Par ailleurs, l'URSSAF a mis en place depuis le mois de mai 2019 un service optimal et gratuit appelé Page Emploi Plus. Ce service assure le versement de la rémunération sur le compte bancaire du salarié dans un délai de 4 jours suivant la déclaration sociale de la famille. Et c'est Page Emploi qui prélève parallèlement sur le compte bancaire des parents employeurs la somme restant à leur charge, ce qui permet de simplifier et sécuriser les démarches. Et ce système permet de prendre en charge le versement du salarié dès le premier impayé. Bien sûr, il nous faut aller plus loin pour mettre un terme à ces pratiques particulièrement pénalisantes et amorales, je dois bien le dire, pour des professionnels engagés et indispensables. Constitué depuis 2022, le comité de filière Petite Enfance va traiter la question de la constitution d'un éventuel fonds de garantie des salaires dédiés aux professionnels de l'accueil individuel, qu'il faudrait alors ouvrir vraisemblablement à l'ensemble des salariés du particulier employeur.
Ce projet sera étudié en lien étroit avec les représentants associatifs et syndicaux concernés. Et à plus court terme, il pourrait être envisagé de rendre obligatoire pour l'employeur le système d'intermédiation mis en place par Page Emploi dès lors que l'assistant maternel souhaite utiliser ce service. C'est-à-dire si l'assistant maternel veut utiliser Page Emploi Plus, l'employeur devra y souscrire. Merci, Madame la Ministre. Il n'y a plus de temps de parole. Madame la députée, je vous remercie. Je salue l'arrivée de Madame la secrétaire d'État en charge de la jeunesse, qui relaie Madame la Ministre chargée des personnes handicapées. Et nous allons, si Madame la Ministre est prête, eh bien, nous allons pouvoir donner la parole à Monsieur Charles Sitzenstuhl, j'essaie de prononcer correctement, pour sa question. On vous écoute, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, ma question s'adressait à votre ministre de tutelle, Monsieur Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale, au sujet de l'enseignement de la langue allemande dans notre pays. La langue allemande avec le français et l'anglais est, nous le savons tous, l'une des principales langues de notre continent. Elle est pratiquée dans plusieurs États voisins de la France, l'Allemagne bien sûr, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg et un peu plus loin l'Autriche, également le nord de l'Italie. La connaissance et la pratique de l'allemand sont donc indispensables à nos relations extérieures et au bon voisinage avec nombre de pays proches. Or, l'enseignement de l'allemand est en souffrance dans notre système éducatif. Comme élu local alsacien, je suis régulièrement sollicité sur les difficultés de recrutement des professeurs d'allemand en France. Je livre quelques chiffres que j'ai trouvés. Plus de 70% des postes ouverts à concours du CAPES d'allemand ne seraient plus pourvus et la France ne compterait plus que 6500 enseignants d'allemand aujourd'hui contre 10 000 il y a une quinzaine d'années. Madame la ministre, vous pourrez ou non confirmer ces chiffres. La pratique de l'allemand serait aussi en chute dans nos collèges et nos lycées. Cette situation, je le considère, est dramatique pour notre pays. Elle est dramatique d'un point de vue politique d'abord, puisque la relation franco-allemande est le socle de notre politique européenne. Elle est dramatique d'un point de vue culturel, parce que la culture germanique est l'une de celles qui a influencé et construit notre culture occidentale, à laquelle la France, bien sûr, a aussi énormément contribué. Et il est indispensable que nous gardions un stock important de traducteurs. Elle est dramatique aussi d'un point de vue économique, puisque nous connaissons les gisements d'emplois que sont notamment l'Allemagne et la Suisse, pour nombre de nos régions frontalières. Je pense bien sûr à l'Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté en priorité. Il est temps, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, de tirer la sonnette d'alarme. Qu'est-ce que le ministère de l'Éducation nationale entend faire pour pallier le déficit de recrutement des professeurs d'allemand? Un plan est-il élaboré pour renforcer aussi le goût de la pratique de cette langue qui, je le concède, a une grammaire et un vocabulaire compliqué? Est-ce qu'il est aussi envisagé de faire évoluer la pédagogie de l'allemand, de l'enseignement de l'allemand dans nos établissements pour la rendre peut-être un peu plus souple, un peu plus orale, moins tatillonne et moins écrite? Je vous remercie des précisions que vous pourrez me donner. Merci. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, vous savez, Monsieur le député, il se trouve que j'ai été confrontée moi-même à cette nécessité peut-être de reconstruire un lien renforcé de l'apprentissage de l'allemand. J'ai eu le grand honneur de participer en tant que ministre au 60e anniversaire du discours du général de Gaulle à la jeunesse allemande. Il se trouve que j'ai pris en LV2 l'espagnol. Et je peux vous dire la difficulté qui a été la mienne de prononcer quelques mots. Et à ce moment-là, j'ai compris que les relations peut-être historiques, culturelles que nous avons avec nos voisins allemands nous amenaient au-delà même de l'apprentissage de l'espagnol ou d'autres langues étrangères plus largement, peut-être une relation particulière avec l'allemand. Il se trouve qu'avec la République fédérale d'Allemagne, nous avons le 24 novembre dernier pris un engagement assez fort visant à améliorer l'apprentissage de l'allemand, bien sûr, en France, mais également du français en Allemagne. Différentes mesures vont être prises en compte pour la promotion, évidemment, du métier d'enseignant de ces deux langues. Mais la journée franco-allemande date et coïncide avec les 60 ans du traité de l'Élysée. Et à ce moment-là, le Conseil des ministres franco-allemands s'est penché sur l'apprentissage de l'allemand et un nouveau,
d'une certaine manière, un nouvel arrangement administratif a été mis en place pour les sections internationales qui mènent au bac français international section allemande et a été signé par les deux gouvernements. Les ministres ont par ailleurs entamé des échanges assez fournis pour renforcer l'attractivité des métiers que vous avez souligné nécessaires, monsieur le député, et dont, pour lesquels nous rejoignons votre préoccupation. Ces initiatives devraient permettre d'ailleurs d'enrayer la baisse du nombre d'heures enseignées qui, objectivement, baisse depuis 2010. On a, par contre, en réalité, une ressource enseignante en allemand qui représente 5620 à peu près ETP pour l'ensemble du pays, ce qui excède le nombre de besoins. Cependant, il y a réellement une baisse importante de candidats inscrits au CAPES d'allemand, moins 26%, pour étayer vos propos, monsieur le député, et qui se traduit par une dégradation extrêmement importante du rendement des concours. Cependant, de l'espoir, puisqu'il se trouve que sur la session de 2023, il y a une réhausse des candidats. Et donc, on voit plus de 820 candidats, soit une augmentation de 4% environ. Un vivier plus important de candidats devrait permettre à la session de 2023 une amélioration, supérieure dans les années à venir. Mais au-delà de ces apprentissages, monsieur le député, moi je suis convaincue que l'apprentissage de l'allemand doit se faire évidemment au sein de l'école, de l'institution scolaire, au sein des parcours, mais aussi en renforçant un certain nombre d'engagements qui portent le bilinguisme. Je pense au service civique franco-allemand par exemple, ou d'autres formes qu'on pourrait pousser. Je pense évidemment aux colonies de vacances, au BAFA, ou toutes les pratiques culturelles et le portage de structures comme l'OFA, qui permettent des apprentissages et donc une continuité éducative pour un franco-allemand plus fluide, en tout cas un apprentissage plus démocratique et surtout qui permette une pratique régulière. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député, vous souhaitiez reprendre la parole, vous avez une dizaine de secondes. Rapidement, je vous remercie pour ces précisions et n'oubliez pas la pédagogie, parce que moi qui ai fait allemand LV2, c'est vrai que c'est souvent une des barrières mentales très fortes pour nos jeunes concitoyens et il faut de ce point de vue que l'éducation nationale française améliore l'enseignement concret des langues étrangères et notamment de l'allemand auprès des plus jeunes. Merci monsieur le député. Nous quittons l'Alsace, nous arrivons en région centre, Madame Kolbok. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaiterais vous interroger plus particulièrement sur les écoles rurales qui proposent un enseignement de qualité dans nos territoires et sont source d'attractivité de ces communes. Leurs perspectives d'évolution sont mises en péril par des fermetures brutales de classes. À titre d'exemple, dans ma circonscription, c'est 14 classes qui seront fermées à la rentrée prochaine pour 2 ouvertures. Ces fermetures sont parfois décidées pour des baisses d'effectifs ne dépassant pas 4 ou 5 élèves, alors même qu'il est prévu aux rentrées suivantes que les effectifs remontent. Ces communes, comme celle de Saché ou Sainte-Mande-de-Touraine, pour n'en citer que 2, ont réalisé d'importants investissements pour leurs écoles afin de les rénover, de les agrandir ou encore de les revégétaliser et de revégétaliser leurs espaces extérieurs. La mairie de Saché vient notamment d'acheter un terrain pour un projet d'agrandissement de son école. Ces fermetures de classes viennent aussi entraver les objectifs des dispositifs d'État visant à soutenir le dynamisme et le développement des communes rurales comme petites villes de demain, dont bénéficie la ville de Sainte-Maure-de-Touraine. Madame la Ministre, ces décisions sont prises en corrélation avec une baisse démographique que l'on ne peut contester, qui est plus forte notamment dans les territoires ruraux. Cependant, il faudrait pouvoir accompagner les élus bien en amont plutôt que de les prévenir des fermetures des classes 6 mois à l'avance. Quelle dynamique et quels outils pouvons-nous mettre en place pour accompagner les élus et les enseignants sur du plus long terme? Comment travailler sur l'évolution des RPI déjà en place? Avoir une vision de l'école rurale est un projet nécessaire pour préparer l'avenir de ces enfants dans les territoires. Madame la Ministre, quelles sont vos pistes de réflexion en la matière? Comment pouvons-nous anticiper ces décisions tous ensemble? Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Madame la députée, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Kolbok. Ce qui est certain, mais vous l'avez souligné, c'est effectivement le choc même démographique que nous vivons. Et il se trouve que d'ici la fin du quinquennat, donc dans les 5 prochaines années, nous allons avoir moins de 500 000 élèves dans nos établissements scolaires. Et c'est un vrai choc démographique qui fait que, évidemment, il y a des évolutions dans la composition de nos classes. Mais là où je vous rejoins, Madame la députée, c'est le regard particulier qu'il faut avoir sur les établissements scolaires des territoires ruraux. Il n'y a pas d'unité
égalité nationale, il n'y a pas d'égalité d'accès à l'instruction, à l'éducation, s'il n'y a pas dans nos territoires ruraux des établissements qui sont dynamiques. Et on ne peut pas, Madame la députée, et je vous rejoins sur votre analyse, on ne peut pas continuer d'une certaine manière à demander à nos élus locaux eh bien, de construire, d'investir dans nos écoles, puisque c'est la promesse républicaine, elle est là, elle est à l'école. C'est ça qui permet de réduire les inégalités, c'est ça qui permet de réduire la non-reproduction sociale. Et en même temps, voir des évolutions qui ne vont pas dans le sens de la dynamique de nos territoires ruraux. C'est pour ça que moi, j'ai énormément confiance en l'avenir du dialogue avec les élus locaux, en particulier du fait que la carte scolaire doit être revue. Et dans le cadre de cette réécriture de la carte scolaire, plus que jamais, avoir, je pense, eh bien, la présence et l'analyse des élus locaux. Il se trouve qu'en tant qu'élu local, je vois bien à quel point on est en capacité de projeter quand on a l'arrivée, par exemple, de lotissement ou de permis de construire. Et en fonction de la typologie des projets fonciers, on sait que si c'est des projets qui ont plutôt vocation à accueillir des familles ou, pour le coup, des personnes plus âgées, parce que l'unité entre les générations est importante. Et donc, Madame la députée, je crois que sur les deux communes que vous avez soulignées en particulier, je pense évidemment à Saché et à Saint-Maur-de-Touraine, c'est le fondement de la baisse démographique des trois dernières années qui a amené à l'évolution du taux d'encadrement, et la décision des fermetures de classes a été examinée par les comités sociaux spécifiques. Mais en Indre-et-Loire, au-delà de ce cas-là, je crois que plus que jamais, nous avons besoin de la mobilisation des directeurs académiques aux côtés des élus et des parlementaires, parce que c'est comme ça qu'on redynamisera nos territoires et qu'on créera de l'unité, puisque le pire, c'est d'opposer les territoires et donc les jeunes dans leur parcours d'émancipation. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Vous avez encore un petit peu de temps devant vous, Madame la députée. Vous souhaitiez ajouter quelque chose ? Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour cette réponse. Oui, effectivement, je pense qu'il faut anticiper et avoir une vraie vision de l'école rurale pour ne pas avoir de clivage entre l'urbain et le rural, mais vraiment aussi anticiper et permettre aux élus d'investir ou pas, ou d'une manière d'investir, et surtout les regroupements pédagogiques intercommunaux, comment on les agrandit, comment on les accompagne dans ces transformations. Je vous remercie. Merci, Monsieur Jean-Luc Fugit. Bonjour. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, nous menons depuis le mandat précédent une politique ambitieuse en faveur de l'éducation prioritaire, dédoublement des classes de CP-CE1, petit déjeuner à l'école ou encore l'augmentation en 2022 de 4% de l'allocation de rentrée scolaire. Madame la Ministre, je suis régulièrement en relation avec la direction et les équipes pédagogiques du collège Lucie Aubrac, situé dans un quartier populaire de Givors, ville-centre de ma circonscription. Givors fait partie des communes les plus défavorisées de la métropole de Lyon. Les problématiques sociales et économiques y sont nombreuses. Ce collège est classé depuis 2015 en REP et non en REP+, comme souhaité, ce qui est vécu comme une injustice par la communauté éducative, dont je salue le fort engagement pour la réussite des élèves. Depuis 2015, la situation n'a pas évolué, alors que les difficultés, elles, demeurent. Toutes les conditions sont pourtant réunies pour un classement en REP+. En effet, le collège compte 63% d'élèves boursiers, il accueille 60% d'élèves issus des catégories les plus défavorisées, il compte 65% d'élèves issus de quartiers classés politiques de la ville. Plus important encore, son IPS, indice de position sociale, est un des plus faibles de la métropole de Lyon. Seuls 7 autres collèges présentent un IPS plus bas et sont, à juste titre, classés REP+. Mais on compte 9 autres collèges classés en zone REP+, alors qu'ils présentent un IPS plus élevé que le collège Lucie Aubrac. Il ne s'agit pas de retirer le classement REP+ à ces collèges, mais il s'agit de rendre justice au collège Lucie Aubrac de Givors, qui devrait lui aussi être classé en REP+. Face à cette situation, l'équipe pédagogique est fortement mobilisée. J'ai soutenu leur démarche ces dernières années et quelques avancées ont été obtenues. La création d'un demi-poste supplémentaire de CPE et d'un poste d'AED, l'organisation d'une formation de réseau de 3 journées et la garantie du ratio HSA-HP inférieur à 7%. Ces avancées sont certes bienvenues, mais ne sont pas suffisantes au regard de la situation. Aussi, Madame la Ministre, je souhaite ici me faire le porte-parole de la communauté éducative de Givors en vous demandant d'intégrer, et demander donc au gouvernement d'intégrer dès septembre 2023 le collège Lucie Aubrac et les écoles qui lui sont rattachées au classement REP+. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les députés, Madame la députée, vous savez, Monsieur le député, je crois que ce que je disais à l'instant sur l'importance de l'école et les moyens qu'on lui donne, c'est la base même de la promesse républicaine.
Il se trouve que vous parlez en particulier du collège Lucie Aubrac à Givors. Et je crois que l'engagement du gouvernement, depuis même le quinquennat précédent, sur l'importance de l'école est absolument essentiel. Dédoublement de classes de CP et de CE1 pour les plus jeunes, l'arrivée des petits déjeuners gratuits parce qu'on n'étudie pas de la même manière si on a le ventre plein ou on a le ventre vide, l'accompagnement des jeunes peut-être les plus en difficulté, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des parents quand on rentre à la maison pour aider à faire ses devoirs. Et je pense évidemment au développement de devoirs faits. Tout ça, ce sont des éléments de complémentarité éducative. Ça veut dire que ces éléments de complémentarité éducative doivent venir renforcer le projet pédagogique et les moyens humains, mais également pédagogiques de l'établissement. Et c'est là où vient, monsieur le député, votre question et votre alerte. Il se trouve que sur le lycée Lucie Aubrac de Givors, il scolarise plus de 500 élèves, effectivement, dans le réseau REP+. Moi, je passerai mot pour mot votre alerte et votre demande, monsieur le député, au ministre de l'Éducation nationale, pour passer, en tout cas votre demande est de passer l'établissement en REP+, puisque ça ouvre de nouveaux moyens. Nous avons également été sollicités par le collectif Lucie Aubrac, qui porte tout le projet et dont je sais votre présence et l'accompagnement qui est le vôtre, puisque cet accompagnement et cet engagement à leur côté nous a été largement rappelé, monsieur le député. Mais surtout, grâce à votre mobilisation régulière, plusieurs mesures ont été prises, et aussi par l'Académie pour y répondre. Je pense à l'augmentation pérenne des moyens humains. Vous avez parlé du demi-poste supplémentaire de CPE. Il y a également des AED qui portent la dotation du collège à 2 CPE et 7. Alors, c'est toujours bizarre de dire 7,5, mais la réalité, elle est là. D'AED, l'organisation de 3 jours de formation supplémentaire pour aider les enseignants à construire des réponses plus collectives et enfin assurer le renforcement du travail d'accompagnement. Mais monsieur le député, je crois que l'essentiel de votre question, c'est est-ce qu'il y a les moyens nécessaires pour répondre aux difficultés particulières de cet établissement ? Se pose aussi une question complémentaire, celle de la mixité sociale au sein de nos établissements. On peut continuer à concentrer dans certains établissements publics un certain nombre de difficultés. Et on peut aussi penser qu'il faut accompagner une mixité plus forte, revoir effectivement cette carte scolaire. Et je sais que le ministre de l'Éducation nationale y travaille et aura l'occasion d'y revenir très rapidement. Parce que plus que jamais, nous avons besoin de continuer à soutenir les équipes pédagogiques qui font franchement de leur métier, de leur engagement, une vocation au quotidien. Et qui ne manquent pas d'ingéniosité, de mobilisation personnelle, souvent au-delà même de la mission qu'est la leur, pour trouver des réponses, des voies et moyens, et pour permettre aux jeunes, en réalité, dont ils ont la charge, de s'élever, de garder espoir, et surtout de l'espérance dans notre modèle, ce modèle français qui porte en lui, je crois, l'essentiel. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre, Monsieur le Député. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, merci pour votre réponse qui laisse entendre que nous pourrions évoluer. J'espère que ce sera le cas quand la carte donc, d'éducation prioritaire, et notamment REP+, sera revue. Je compte vraiment sur votre soutien pour faire en sorte que ce collège puisse bénéficier de ces moyens supplémentaires. Ceci dit, je vais profiter des quelques secondes qui me restent pour vous inviter, vous ainsi que le ministre de l'Éducation nationale, bien entendu, à venir nous rencontrer, à rencontrer le collectif du collège Lucie Aubrac. Ce sera aussi l'occasion de faire le point sur la cité éducative du territoire, Givors-Grigny. Et puis aussi, vous dire que hier, nous avons eu l'avant-première d'un clip réalisé par des lycéens du lycée, donc Aragon-Picasso aussi de Givors, le même territoire. Et c'est un clip contre les discriminations, toutes les formes de discrimination. Et je pense que vous auriez l'occasion de venir peut-être saluer et remercier et féliciter ces élèves. Donc, vous et le ministre de l'Éducation nationale, êtes les bienvenus sur notre territoire. Merci. Merci. Madame Angélique Ranck. Merci, monsieur le Président. Madame la ministre, ma question porte sur la non-publication du décret d'application prévu dans l'article 14 de la loi 91-715 du 26 juillet 1991 relative à la prise en considération des années de formation des élèves d'enseignants des instituts universitaires de formation des maîtres pour leur droit à la retraite. En effet, durant les années 90, le gouvernement a proposé à des enseignants de se présenter au concours de l'éducation nationale à la fin de leurs années d'études en échange d'une allocation. Les trimestres acquis durant ces 2 années devaient alors être comptabilisés pour leur droit de retraite. Or, il semblerait que ce droit leur soit refusé au motif que le décret d'application de ladite loi n'ait jamais été publié. En conséquence, seule la 2e année, accomplie en tant que professeur stagiaire à l'UFM, est aujourd'hui prise en compte dans les services valables pour la retraite. Cette promesse avait évidemment été un facteur clé dans l'engagement de ces futurs enseignants qui s'estiment aujourd'hui, et à juste titre, lésés à cause d'un problème de cadre juridique incomplet. Cela est inacceptable. Ce fait est pourtant évoqué et défendu avec acharnement depuis de nombreuses années par divers législateurs et des enseignants concernés. Lorsque l'on repose une fois de plus la question au travers d'un amendement au Sénat,
Lors de l'étude du PLFRSS, il y a 3 semaines, M. Olivier Dussault avoue pourtant avoir récemment découvert la nécessité de ce chantier. Ce n'est à non plus finir pour une action légitime et loin d'être particulièrement contraignante à réaliser. Le ministre du Travail a d'ailleurs fait retirer un amendement du Sénat proposant de supprimer cette mention de décret dans le texte de loi qui aurait permis d'inclure ces années de travail dans le droit à la retraite des enseignants au motif qu'il valait mieux que le décret soit publié. Comme je n'ose imaginer que cela ait été fait de façon malhonnête dans le but de se débarrasser une fois de plus du chantier, je m'attends maintenant à sa publication. Il faut un décret. Il faut honorer ce qui a été acté légalement et régler cela une bonne fois pour toutes. Je me permets également de contredire les mots du ministre du Travail qui s'inquiétait du fait que ses étudiants inscrits en préparation pendant la période couverte de la dite loi soient, je cite, désormais des enseignants qui sont soit à la retraite, soit dans une situation où ils demandent à liquider leurs droits. Pour la majorité des enseignants effectuant une carrière ordinaire respectant le nombre d'annuités requis, cette retraite ne pourra s'envisager qu'à l'horizon 2030. Et plus encore, les dizaines de milliers d'enseignants concernés entre les années 1980 et 1996 sont très majoritairement encore en activité. Ma question est donc simple. Madame la ministre, pour quand est prévue la publication de ce décret ? Madame la ministre. Monsieur le Président, Madame la députée, Messieurs les députés, votre question est très simple. Elle pose sur la publication de ce décret. Conscient de cette situation, elle ne saurait perdurer, Madame la députée, et le décret sera pris par le ministre de l'Éducation nationale, qui a engagé les travaux nécessaires avec le ministre en charge de la fonction publique pour l'écrire et le mettre en œuvre le plus rapidement possible. Voilà pour la réponse sur le fond. Et Madame la députée, il se trouve que ce décret en Conseil d'État, précisant que les modalités et pratiques de mise en œuvre n'ayant jamais été pris en l'état actuel effectivement du droit, il n'est pas possible de tenir compte de ces périodes, ce n'est pas juste. Et les réponses seront apportées pour corriger cette inégalité de traitement. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Je vais demander à M. Metzdorf de prendre la parole un petit peu en avance, mais comme il est prêt. Si je peux rendre service à l'Assemblée, M. Ben voilà. Merci, M. le Président. Madame la ministre, bonjour, chers collègues, bonjour également. Madame la ministre, comme vous le savez, la Nouvelle-Calédonie est un territoire jeune, très jeune. 30% de la population a moins de 20 ans. Une grande majorité de cette jeunesse réussit et nous rend fiers. Elle réussit à l'école, elle réussit dans le sport, elle réussit dans la culture, dans l'art. Et puis il y a, c'est vrai, une minorité de la jeunesse qui s'est peut-être perdue, qui ne réussit pas et qui cause beaucoup de problèmes dans notre société. Encore ces derniers jours, je veux penser aux commerçants de Nouméa et du Grand Nouméa qui ont subi de nombreux cambriolages de jeunes mineurs. Alors, Madame la Ministre, votre projet de service national universel serait une réponse adaptée à cette jeunesse en perdition en Nouvelle-Calédonie. La fin du service militaire, pour nous, a été un véritable choc, puisqu'il permettait de remettre dans le droit chemin une génération ou une partie d'une génération qui s'était égarée du droit chemin. Ce service militaire a été aboli, et nous nous sommes retrouvés dans un grand vide. Et puis, vous arrivez, Madame la Ministre, avec ce service national universel qui doit normalement s'étendre sur tout le territoire de la République et la Nouvelle-Calédonie part 3 fois à rappeler son amour à la France. Et c'est vrai que nous attendons que la France nous rende cet amour un petit peu. Et si vous pouviez, Madame la Ministre, travailler sérieusement et de manière concrète, et je le sais que vous le faites, sur la mise en place du service national en Nouvelle-Calédonie, nous vous serons éternellement reconnaissants. Merci, Monsieur le Président. Et merci, Madame la Ministre. Et merci, Monsieur le Député. Qui va écouter, Madame la Ministre ? Et merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Madame la Députée, Messieurs les députés. Monsieur le Député, vous savez, je partage avec vous cette nécessité d'unité. On ne peut pas dire à une jeunesse entière, de se connaître, de croire en elle, de croire en ses capacités et de la laisser totalement fragmentée, malheureusement. Une jeunesse qui réussit et une jeunesse qui n'a pas les mêmes chances. Une jeunesse qui a besoin de confiance en elle et une jeunesse qui a son chemin déjà tout tracé. Et pour ça, il nous faut des grands moments d'unité, il nous faut des moments de mixité, il nous faut des moments où nous avons finalement comme objectif de faire grandir ce goût de sentiment d'appartenance et de la responsabilité que nous avons à construire ce commun ensemble. Pour ça, alors oui, il faut dépasser les conforts. Je pense à des moments où on réunit classe ouvrière et classe peut-être un peu plus bourgeoise, qui ne fréquentent pas les mêmes établissements, qui n'ont pas les mêmes
chance d'avenir, le même champ des possibles. Et ce moment-là, ça peut être ce service national universel. Parce que déjà, il est porté par la République, qui ne regarde rien d'autre que... qui ne te regarde uniquement comme jeune Français et rien d'autre, qui ne fait pas de différence en fonction de ta classe sociale, ni en fonction de tes études, qui te permet, grâce au port aussi d'un vêtement, de l'uniforme, eh bien de gommer au moins un moment les inégalités sociales et de vivre un sentiment d'appartenance complet. Mais aussi... Eh bien, d'apprendre des choses que tu n'as nulle part ailleurs. Je pense évidemment aux gestes qui sauvent, à la préparation du permis de conduire, parce que oui, quand tu sors du séjour de cohésion, tu peux passer le code du permis de conduire totalement pris en charge, de pouvoir ouvrir la porte des services publics, d'accéder souvent, pour malheureusement une partie des jeunes, à des bilans de santé complets, parce qu'on sait qu'une partie de notre jeunesse en est éloignée. Mais ce rêve français, cette promesse française ne tient que par le projet de mixité que ça porte en elle. Et donc ce service national universel, oui, votre territoire, monsieur le député, l'aime, le porte. Et d'ailleurs, il se trouve que dans la période que nous avons vécue, qui n'est pas si ancienne et qui a été extrêmement difficile, je pense à la période Covid, qui a demandé beaucoup de résilience, beaucoup de sacrifices à notre jeunesse, eh bien vous avez pu accueillir plus de 80 jeunes qui ont pu faire leur séjour de cohésion et leur mission d'intérêt général. C'est dire que, oui, la Nouvelle-Calédonie aime la France et la France aime la Nouvelle-Calédonie, puisqu'elle en fait pleinement partie, monsieur le député. Vous aurez mon énergie, mon investissement le plus complet. Et celui-là, il sera aux côtés de tous les élus qui souhaitent offrir cette chance à leurs jeunes, à leurs adolescents et surtout, j'ai envie de dire, à la France, parce que dans le fond, ça sert leur territoire et ça donne des chances à des jeunes qui, parfois, n'ont pas leurs parents à leur côté pour les aider, les guider et leur montrer que la France offre plein de choses et que c'est aussi pour eux. Et que dans le fond, l'espérance, c'est aussi parfois un peu de persévérance, mais qu'ils ont tout pour y arriver. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député. Merci pour votre réponse, Madame la Ministre. Et je partage en tout point l'analyse que vous faites sur les solutions à apporter pour que la jeunesse qui s'est égarée puisse retrouver son chemin. Et la notion de mixité chez nous est importante, puisque vous savez que la Nouvelle-Calédonie est une terre de communauté qui se côtoie dans la paix et dans le respect, mais c'est un travail au quotidien qu'il faut mener. Et c'est vrai que le service national... en fait longuement partie. Je voudrais, j'en profite du temps qui me reste pour vous rappeler ce chiffre qui nous rend fiers aussi à chaque fois. Il y a 4 fois plus d'engagés volontaires par habitant en Nouvelle-Calédonie que sur le reste du territoire national. C'est pour vous dire l'amour que l'on porte à la nation, l'amour qu'on lui rend. Et si on pouvait conserver cet héritage entre la nation française et l'investissement qu'ont les Calédoniens pour cette nation, eh bien, nous en serons encore plus fiers aujourd'hui. Merci. Merci, monsieur le député. Je salue l'arrivée de la présidente Rabault, parfaitement dans les temps, et qui va prendre la parole de suite. Merci, monsieur le président, madame la ministre. Alors, la question que je vous adresse aujourd'hui porte sur l'école en Tarn-et-Garonne. On sait qu'il peut y avoir des difficultés suite aux suppressions de postes, mais voyez-vous, dans mon département, nous cumulons 4 difficultés. Et c'est évidemment le cumul qui fait que nous avons que les petits Tarn-et-Garonnais n'ont pas les mêmes chances que les autres, et ce qui me pose évidemment question. La première difficulté, c'est que dans le primaire, et aussi en maternelle, mais surtout dans le primaire, nous avons un taux d'encadrement qui est parmi les plus faibles, en tout cas qui est très inférieur sur l'académie de Toulouse, notamment par rapport à d'autres départements ruraux. Nous avons 6 écoles sur 10 dans le département qui ont un indice de position sociale, le fameux IPS, qui est inférieur à la moyenne nationale. Et cet indicateur permet à votre ministère de mesurer les inégalités sociales, les situations des familles. Et vous envisagez de fermer 15 classes à la rentrée prochaine, et sur ces 15 classes, il y en a plus de la moitié qui ont un IPS inférieur à la moyenne nationale. Ça, c'est la deuxième inégalité. Le troisième point que nous cumulons, c'est le fait que le Tarn-et-Garonne fait partie des départements qui accueillent le plus d'élèves en situation de handicap en milieu scolaire, et qu'il fait partie des 6 départements de France, des 6, qui au cours des 10 dernières années ont eu la progression la plus importante en termes d'accueil d'élèves en situation de handicap qui sont scolarisés. Alors c'est très bien qu'ils soient accueillis, mais il faut qu'il puisse y avoir les moyens. Résultat de tout ça, depuis 10 ans, nous sommes le département de l'Académie de Toulouse qui a les plus mauvais résultats scolaires. Ça se voit au bac, ça se voit au brevet, ça se voit sur les évaluations en mathématiques et en français, en CP et CE1. Alors,
face à cela, le précédent Premier ministre, Jean Castex, avait diligenté une mission d'inspection générale menée par 3 inspecteurs généraux pour qu'on arrive à détecter exactement quels sont les freins qui empêchent que les petits Tarn-et-Garonnais aient les mêmes chances que les autres. Ce rapport a été rendu, j'en ai eu quelques échos, mais je souhaiterais qu'il puisse être donné, et c'est la question que je vous pose. Acceptez-vous de nous le rendre, de nous le communiquer à l'ensemble des parlementaires et des élus de Tarn-et-Garonne? Et puis la deuxième question, le 28 septembre 2021, toujours à l'initiative de l'ancien Premier ministre Jean Castex, une réunion s'était tenue à Matignon avec le recteur et l'inspecteur d'académie pour dire qu'il faut un plan spécifique. Il faut que les blocages puissent être clairement identifiés, qu'il y ait un plan spécifique. Ce plan spécifique est tombé à l'eau et n'a jamais vu le jour. Donc c'est l'objet de ma deuxième question, Madame la Ministre. Quand est-ce que ce plan spécifique va vraiment être lancé pour faire en sorte que nous ne soyons plus les derniers de l'Académie de Toulouse, résultat que nous observons depuis 10 ans? Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre. Monsieur le député, messieurs les députés, Madame la Présidente Rabault. Pardon, Monsieur le Président. Pardon, Monsieur le Président, Messieurs les députés, Madame la Présidente Rabault. Continuez, Madame la Ministre. Dans le désordre, je vous prie de m'excuser, continuez, Monsieur Madame le Président. Présidente. Madame Présidente Rabault, je vais commencer dans l'ordre. Vous avez posé des questions extrêmement précises, Madame la députée, et je crois qu'elles appellent d'abord à une réponse politique et démocratique. Vous parlez de la question du rapport de l'inspection. Il se trouve que je n'ai pas connaissance de ce rapport, compte tenu du fait que je réponds au nom du ministre de l'Éducation nationale. Mais Madame la députée, il n'y a pas si longtemps, je siégeais sur vos bancs, et je considère que la représentation nationale, bien sûr, doit pouvoir avoir accès à l'ensemble des informations auxquelles nous avons accès, d'autant plus que les inspections générales travaillent en toute indépendance et que leurs travaux sont extrêmement éclairants. Cependant, Madame la députée, je ferai part de votre questionnement au ministre de l'Éducation nationale, ainsi évidemment de ma préconisation, et la suite s'en suivra. Mais plus que jamais, nous avons besoin de transparence autour de ces sujets. C'est ce qui permet, dans le fond, d'éclairer les débats et aussi d'apporter une compréhension, parfois complémentaire, des éléments qui nous sont amenés dans l'exercice d'exécutif que nous avons à mener, de décisions diverses et variées. Mais à minima, cette information doit pouvoir être partagée. Au-delà de cette question, se pose la question également du plan spécifique territorial. Il se trouve que, de la même manière, il n'y a pas de calendrier effectif, Madame la députée, en tout cas à ma connaissance. Cependant, la question étant clairement posée, elle sera transmise également au ministre de l'Éducation nationale. Mais là où je vous rejoins, Madame la députée, c'est qu'on ne peut pas faire de différence entre les territoires. Et on ne peut pas s'abroger la nécessité de faire une réforme en profondeur sur la mixité sociale. Des établissements. On ne peut pas avoir aujourd'hui des établissements où nous avons 2% de boursiers et d'autres plus de 40% voire 50% de boursiers ou une concentration d'enfants, de jeunes qui sont en situation de mauvaise maîtrise du français ou des mathématiques ou encore des jeunes qui sont allophones. Cela ne permet pas à l'école de la République de réussir à tenir cette promesse éducative qui émancipe. On ne peut pas construire une cohésion nationale, une cohésion sociale, sans permettre cette mixité-là. Je sais que la réforme de la carte scolaire a vocation à évidemment apporter un certain nombre de réponses. Pas toutes, bien sûr, et franchement, il n'y a pas de baguette magique. Mais il y a des mesures qui peuvent être mises en place. Et un certain nombre, comme les éléments d'attractivité, la complémentarité éducative. On sait que l'apprentissage du français ou encore des mathématiques nécessite une complémentarité éducative. Des moyens, bien sûr, des compléments pédagogiques, parce que vous parliez également de l'accueil et de la qualité de l'accueil des enfants en situation de handicap. Mais il n'y a école inclusive que si chacun est accompagné aux besoins qu'il a. Et évidemment, Monsieur le Président, le sujet me passionnant, j'ai été bien trop bavarde. Madame la députée, vous trouverez à vos côtés pour vous apporter les informations complémentaires qui seront transmises au ministre de l'Éducation nationale. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Nous pouvons vous libérer. Nous accueillons Monsieur le secrétaire d'État à la mer. Bonjour, Monsieur le ministre. Et puis, si le ministre est prêt... Au revoir, Madame la ministre, merci. Si le ministre est prêt, eh bien, c'est Monsieur Jean-Victor Castor qui va lui poser une question. Monsieur le président, Monsieur le ministre, le secteur de la pêche en Guyane est sinistré. Pour la pêche côtière, sur 130 bateaux enregistrés, seuls 25 sont en état de naviguer. Pour la pêche crevettière, alors que la Guyane était le troisième port français dans les années 80, il ne reste aujourd'hui que 5 bateaux en opération de pêche. En conséquence, et de façon totalement aberrante, là où la Guyane exportait jusqu'à 70% de sa production, alors que les eaux guyanaises sont toujours
aussi poissonneuses et que des bateaux viennent illégalement et parfois de très loin y pêcher, la majorité du poisson consommé aujourd'hui en Guyane est importé. Pour autant, le poisson considéré comme importé par la Guyane est souvent pêché directement dans les eaux guyanaises, mais par des navires battant pavillon étranger sous licence européenne. En conséquence, ce poisson pêché dans la ZEE guyanaise est tout de même taxé à hauteur de 15%. Sur ce point, il est donc urgent d'une part de reconsidérer l'article 4 du règlement communautaire portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits de la pêche. À défaut, une reconduction en 2024 de ce règlement dans les mêmes termes signera à coup sûr la mort de la filière guyanaise. Par ailleurs, l'approvisionnement étant en grande partie réalisé par des bateaux vénézuéliens, les accords bilatéraux historiques entre la France et le Venezuela au sujet de la pêche en Guyane, supprimés depuis le début des années 2000, doivent être réinitiés. Il en va de la survie des circuits guyanais de transformation. Parmi les difficultés rencontrées par le secteur de la pêche en Guyane, il y a aussi, depuis plus de 3 ans, le blocage administratif des dossiers de régularisation des marins pêcheurs étrangers. En effet, ces professionnels qui travaillent depuis des années en Guyane ne voient pas leur titre de séjour reconduit, ce qui génère un manque cruel de main-d'œuvre et une chute drastique des débarquements de poissons, avec des répercussions sur l'ensemble de la filière qui se retrouve ainsi fortement ralentie. En outre, la flottille côtière est obsolète et dans l'incapacité d'exercer. Sur ce point, les entreprises du secteur ont sollicité le rachat de navires d'occasion, notamment ceux voués à la destruction suite au Brexit. Mais elles ont reçu une fin de non-recevoir. Quel gaspillage! Enfin, le comble de l'aberration vient sans doute du fait que les subventionnements pour le renouvellement et l'évolution de la flotte sont conditionnés à une évaluation préalable des ressources, mais l'IFREMER, chargé de cette évaluation, est dans l'incapacité de la réaliser. Comme vous le constatez, les raisons de la situation catastrophique de la pêche en Guyane sont variées. Pour autant, elles ont toutes la capacité d'être solutionnées avec une réelle volonté politique et une bonne coordination interministérielle. Cette interpellation n'est pas la première, mais il faut qu'elle soit la dernière. Sauf à manquer de méthode, les réunions entre l'autorité territoriale et les différents ministères devraient, sur ces points, avoir déjà trouvé solution. C'est la raison pour laquelle, si le gouvernement français a réellement l'ambition et la volonté de sortir la pêche guyanaise de l'ornière, il est grand temps qu'il le démontre en levant sans plus tarder l'ensemble des freins normatifs et réglementaires qui briment cette industrie locale. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le député, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le député Jean-Victor Castor. D'abord, je tenais à vous remercier pour votre question, pour l'exhaustivité, parce que vous dressez à la fois le tableau des difficultés et ouvrez un certain nombre de perspectives. Et je me permets aussi de vous remercier pour votre engagement et celui de tous les élus, d'ailleurs, de la Guyane, pour continuer à développer la pêche guyanaise. Alors, il y a plusieurs questions. La première, si vous me permettez de répondre, sur l'enjeu de la pêche illégale et illicite que vous avez mentionné. Comme vous le savez, c'est un sujet important pour nous. Nous avons fait de la pêche, la lutte contre la pêche illégale et illicite une priorité. C'est la raison pour laquelle nous avons multiplié les contrôles. Il y a eu plus de 300 contrôles de gendarmerie qui ont été effectués l'année dernière. Et nous allons continuer de travailler avec notamment le renforcement des moyens et une convention entre le CNES, le Centre national des études spatiales, et mon ministère pour justement mieux évaluer, mieux identifier et mieux renforcer la lutte contre la pêche illicite. Nous avons aussi porté une résolution commune avec le ministère des Armées au niveau européen, pour là aussi accélérer la lutte contre la pêche illicite. Ensuite, il y a le sujet de développement de la filière. Vous l'avez dit, il y a un sujet de renouvellement de la flotte. En 2018, pour la première fois, alors que c'était une demande de plus de 10 ans de la part des pêcheurs guyanais, nous avons entrouvert la porte à la capacité de pouvoir renouveler les pêches, les flottes de pêche ultramarines et notamment guyanaises. Désormais, nous sommes dans, j'ai envie de dire, la dernière ligne droite, et donc je me bats à la Commission européenne auprès des instances avec Jean-François Carenco pour que ce soit effectif. Et nous attendons une réponse d'ici un mois de la Commission européenne pour justement pouvoir renouveler ces flottes et pouvoir financer la modernisation de la flotte, parce qu'on ne peut pas faire la flotte du 21e siècle avec des navires qui sont beaucoup trop datés. Ensuite, il y a le sujet, vous l'avez évoqué, de la régularisation des travailleurs, notamment étrangers. C'est en cours. Nous avons
commencé à le faire, nous allons l'accélérer. J'ai passé une indication, ou en tout cas une note en ce sens au service de l'État déconcentré pour justement accélérer la régularisation de ces travailleurs et avoir la main-d'œuvre nécessaire. Sur le Vivano, puisque vous l'avez évoqué également, le Vivano, vous savez, c'est une question européenne. J'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de vos collègues il y a de cela 2 mois, et donc c'est un combat que nous portons au niveau européen, et j'ai bon espoir que nous allons aboutir. Tout ça pour vous dire que sur le sujet de la formation, il y a aussi à disposition de la collectivité territoriale de Guyane 28 millions d'euros qui devront être utilisés pour continuer à accélérer, à renforcer la formation. Merci, dans la filière aéronautique. Et je termine, Monsieur le Président, pour rapidement vous dire que dans 2 semaines, nous réunirons tous les acteurs, et vous en ferez partie exactement aussi, de la pêche guyanaise, pour pouvoir continuer d'accélérer sur Merci, le développement Monsieur le d'une ministre. Flotte ultramarine et d'un secteur halieutique Merci. Dynamique sur le... C'est Monsieur Nadeau, maintenant, qui pose sa question. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Elle porte sur les retraites agricoles dans les 10 Outre-mer, s'agissant plus précisément des retraites des femmes, donc des agricultrices. Il est effectivement urgent de réactualiser le mode d'affiliation au régime de la protection sociale des non-salariés agricoles dans les 10 Outre-mer et notamment dans les 10 Outre-mer et notamment en Martinique. En effet, les dispositions de l'article L762-7 du Code rural et du décret numéro 85-589 du 3 juin 1985 instaurent un seuil de 2 hectares pondéré dans nos pays par des coefficients pour juger de la viabilité d'une exploitation et permettre l'affiliation de son exploitant à la protection sociale agricole. Nous pouvons affirmer que ce dispositif est complètement inadapté aux réalités de nos territoires, car beaucoup d'agriculteurs et surtout d'agricultrices ne peuvent être reconnus dans leur profession et sont ainsi écartés de toute couverture sociale et de toute aide publique, ce qui génère, vous vous en doutez, une grande pauvreté chez un nombre important de ces femmes et de ces hommes. Cette situation de paupérisation est d'autant plus intolérable que des critères comme la pénibilité ou l'exposition aux risques chimiques dans des pays exposés, comme on le sait, au chlordécone ont été supprimés. Nous souhaitons donc savoir, Monsieur le ministre, ce que vous comptez faire pour remédier à cette situation qui touche des agriculteurs et surtout des agricultrices et conjointes d'exploitants agricoles qui ainsi vivent en grande précarité aux Antilles. Il est en effet urgent d'actualiser le régime de protection sociale des exploitants et exploitantes agricoles dans les 10 Outre-mer. Urgent, tant il est vrai que c'est la double peine pour ces personnes et leurs familles. Et je vous laisse imaginer les conséquences de la loi relative aux retraites. Ce ne serait pas seulement la double, mais la triple peine pour ces familles. Merci. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Marcelin Nadeau, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, et je réponds à sa place. Comme vous le savez, les salariés agricoles relèvent en Outre-mer du régime général. Le gouvernement veille à la coordination entre le régime agricole et le régime général. Nous utilisons par exemple pour ces salariés les tableaux de maladies professionnelles du régime agricole qui sont plus adaptés que les tableaux du régime général. À ce titre, et puisque vous évoquez également la question de l'exposition aux risques chimiques, je tiens à souligner en la matière l'action du gouvernement en métropole et en Outre-mer pour la prévention des risques, mais aussi pour la réparation avec la mise en œuvre du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides et la création récente du tableau de maladies professionnelles du cancer de la prostate. Pour les exploitants agricoles en Martinique, le montant des cotisations sociales dépend de la superficie exploitée, évaluée en hectares pondérés et basée sur la nature de la production animale ou végétale et non en fonction du revenu professionnel, comme c'est le cas dans l'Hexagone. À partir de 2 hectares pondérés, les non-salariés agricoles sont redevables de cotisations sociales pour eux-mêmes, mais aussi pour les membres de leur famille participant aux travaux de l'exploitation. C'est le cas pour les conjoints collaborateurs des chefs d'exploitation, majoritairement des femmes, qui bénéficient bien d'une protection sociale, même si elle est moindre. En revanche, et contrairement à ce que vous avez peut-être pu sembler mentionner, en raison de la spécificité de l'assiette des non-salariés agricoles ultramarins, il n'y a pas de cotisation de solidarité en Outre-mer.
les exploitants agricoles exerçant leurs activités sur les exploitations de moins de 40 hectares pondérés sont exonérés de la plupart des cotisations sociales, famille, maladie, invalidité, maternité, vieillesse de base, tout en bénéficiant des prestations en vigueur. Cette exonération concerne une très large majorité d'exploitants agricoles et fait l'objet d'une compensation par le ministère des Outre-mer. Une évolution du régime de protection sociale pourrait concerner la réforme de l'assiette des cotisations sociales en Outre-mer pour l'asseoir sur les revenus, si ce constituerait une réforme structurelle et d'ampleur. À ce titre, la réforme prévue de l'assiette sociale des travailleurs indépendants, annoncée pour le prochain PLFSS, pourrait être une opportunité pour analyser et lancer des concertations sur le sujet spécifique des exploitants agricoles en Outre-mer. Je pourrais bien vouloir m'excuser de la technicité un peu de la réponse, mais je crois que c'est ce qui était nécessaire au vu de la qualité et de la précision de votre question. Monsieur le député. Non, je voudrais revenir sur la particularité liée à une forme de colonna qui s'applique contrairement à la loi, à la modicité, je veux dire, des superficies et des petites exploitants, des petites exploitations disséminées. Bon, puisque vous envisagez quelques solutions à travers des réformes à venir, certes, j'en prends acte, mais je dois insister, notamment, c'est des éléments qui sont remontés d'organisations de femmes. Il y a une situation particulièrement préoccupante, s'agissant effectivement de conjoints d'exploitants agricoles et s'agissant d'agricultrices. Vraiment, il faut prendre le problème à bras le corps pour apporter justement une amélioration dans la situation de vie de ces gens qui vivent très largement sous le seuil de pauvreté. Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur Philippe Naillet. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, la loi Égalité réelle en Outre-mer a placé les centres d'intérêts moraux et matériels comme priorité légale, si je puis dire, priorité légale dans le cadre des mutations et des affectations des fonctionnaires ultramarins. Il y a même eu, en mars 2017, un décret commun qui avait été signé par le ministère des Outre-mer et par le ministère de la fonction publique pour rendre ces CIMM obligatoires et transparents. Or, la réalité est tout autre. Les situations sont hétérogènes et les procédures aujourd'hui sont opaques. La conséquence de tout cela, c'est qu'il y a chez les agents qui demandent des mutations, des affectations, chez les agents, dans leur famille, de la déception, voire de la colère. Et nous, députés, parlementaires, nous ne pouvons accepter que cette situation perdure. Elle perdure parce que, jusqu'à récemment encore, certains arrêtés de certains ministères ne prenaient pas en compte les CIMM. J'en veux pour preuve également que l'État a été condamné à cause du ministère de l'Intérieur, ou en tout cas à travers le ministère de l'Intérieur, à deux reprises sur ce sujet-là par le Conseil d'État. Donc, monsieur le ministre, mon interrogation, ma question, elle est très simple. Est-il possible d'avoir un rapport annuel du gouvernement au Parlement détaillant l'ensemble des mutations et affectations hexagone et outre-mer opérées dans les deux sens, territoire par territoire, qui précise également le nombre de candidats répartis par grade, l'ancienneté d'exercice en France hexagonale, la reconnaissance ou non des CIMM. Il doit également prévoir les préconisations, ministère par ministère, permettant de réduire à court et long terme les délais d'attente des affectations des agents ultramarins dans leur territoire d'origine. Vous l'avez bien compris, monsieur le ministre, réclamer de la transparence pour rendre plus prégnant, plus efficace les CIMM dans le cadre des affectations et des mutations de nos fonctionnaires ultramarins. Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Monsieur le député Philippe Naillet, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Stanislas Seguerini et je réponds à sa place. Alors, le Centre des intérêts matériels et moraux, le CIMM, n'est pas une garantie de droit de retour. Le principal critère pour le recrutement reste l'adéquation entre les compétences attendues pour le poste et le profil du candidat. Le CIMM est pris en compte au même niveau que les autres priorités légales de mutation, comme le rapprochement de conjoint ou au titre du handicap. Il a permis une accélération notable des affectations de fonctionnaires ultramarins, comme tout le monde en convient.
L'appréciation du CIMM doit être réalisée sur plusieurs indices, comme l'emplacement du domicile des parents, la localisation des biens fonciers loués ou appartements à l'agent, le domicile avant l'entrée dans l'administration. Le rapport du gouvernement sur le bilan de l'application du CIMM transmis au Parlement fin 2021 a tiré trois enseignements. Le premier, c'est que ce CIMM accélère fortement les procédures de mobilité sollicitées par les fonctionnaires. 28% des demandes reçoivent une issue positive contre 15% pour celles formulées en dehors du CIMM. La priorité n'est pas la seule priorité mobilisée dans certains territoires comme Wallis et Futuna ou la Polynésie française, territoire où la majorité des demandes de mutation relèvent de priorités légales. Les demandes ne viennent pas uniquement depuis la métropole, mais aussi des territoires ou des collectivités d'outre-mer. Certains agents préfèrent se rapprocher d'un territoire avant de pouvoir rejoindre leur lieu d'attache. Ce type de mobilité a été constaté, par exemple, entre la Guadeloupe et la Martinique. Afin de faciliter, monsieur le député, les mobilités des agents et de renforcer l'attractivité de certains territoires d'outre-mer, en particulier Mayotte, Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, qui sont jugés prioritaires, un projet de charte interministérielle de la mobilité pour ces territoires est en cours d'élaboration et permettra notamment de renforcer l'usage du CIMM. En tout cas, je ferai remonter au ministre Stanislas Guérini votre demande concernant le rapport. Ce que je peux vous dire également en complément, c'est que la volonté de transparence que vous avez évoquée et la volonté aussi de faire en sorte que les fonctionnaires des territoires ultramarins soient considérés, soient bien pris en compte, elle est partagée par le gouvernement, comme j'ai pu vous l'expliquer avec quelques éléments très techniques. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, vous avez quelque chose à... Vous souhaitez ajouter quelque chose ? Allez-y, vous avez un peu de temps. Merci, monsieur le ministre, pour cette réponse généraliste. J'entends la volonté du gouvernement qu'il y ait de la transparence et l'application des CIMM. Bien sûr, c'est éminemment important, je le redis. Il ne s'agit pas de se faire plaisir en réclamant de la transparence. Nos territoires ultramarins ont besoin de leurs hommes et de leurs femmes qui sont aujourd'hui dans l'Hexagone, parce que ce sont les plus qualifiés, après avoir appris ici, après avoir fait leurs preuves sur le territoire hexagonal, ce sont les plus qualifiés pour prendre en compte les réalités sociales, économiques de nos territoires, qui sont différents, vous le savez. Donc c'est une nécessité. Et bien sûr, nous serons là-dessus extrêmement vigilants, mais en même temps, bien sûr, coopératifs pour qu'on aille dans le bon sens. Merci, monsieur le député. Nous laissons repartir le secrétaire d'État à la mer. Nous accueillons monsieur le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Bienvenue, monsieur le ministre. Et la première question vous est posée par monsieur David Habib. Merci, monsieur le président. J'ai toujours redouté de présider ce type de séance. Je vous salue en même temps que je salue votre patience. Monsieur le ministre, je veux évoquer ici la crise de la boulangerie française. Je ne reviendrai pas sur les causes, vous les connaissez, l'augmentation des coûts, notamment énergétiques, l'augmentation des matières premières, l'augmentation des équipements qui participent à la vie d'une boulangerie. Nous savons également, vous et moi, le rôle essentiel que ces artisans jouent dans notre paysage de collectivités locales, dans notre vie de province, y compris peut-être même à Paris. Et l'artisanat, globalement, est un secteur décisif dans notre tissu économique. Vous avez fait des annonces, mais le problème demeure et la crise perdure. Dire que le gouvernement ne fait rien serait absurde, et je ne le dirai pas. Mais aujourd'hui, face à la détresse de ces artisans, il convient peut-être d'hausser le cran et de redoubler d'activité pour permettre à cet artisanat d'assurer sa pérennité. Monsieur le ministre, je vais vous poser des questions concrètes. Quelles sont les modalités du plafonnement promis du kilowattheure ? Est-il vrai que 80% des boulangers ne sont pas éligibles au bouclier tarifaire ? L'amortisseur électricité sera-t-il effectif au-delà de l'année 2023 ? Une réduction automatique des factures de 20% a été promise à compter du 1er janvier. Mais force est de constater que la majorité des artisans semblent toujours pas en avoir bénéficié. Aussi, pourquoi ? Au-delà, comment agir
comment agir pour une tarification de l'électricité qui soit plus en adaptation avec la réalité de notre vie économique et pas alignée sur le prix du gaz. Monsieur le ministre, je souhaite d'autant plus vous poser cette question que la France a fait le choix de l'énergie nucléaire, et je m'en réjouis, et que quelque part, y compris les artisans, doivent pouvoir bénéficier de cet avantage compétitif. Aujourd'hui, monsieur le ministre, il y a 33 000 boulangeries en France. Si les pouvoirs publics ne prennent pas les décisions, nous le savons, ce sera une saignée. Même si les chiffres qui ont été annoncés pour l'année 2022 laissent apparaître une petite hausse des installations, nous savons qu'à terme, ce sera une saignée. J'ai d'ailleurs en tête, moi, des dizaines de boulangeries béarnaises qui s'interrogent sur leur destin, qui n'envisagent plus de transmission et qui réduisent leurs effectifs. Je connais des boulangers, vous en connaissez sûrement également, qui n'ont pas pris un euro de salaire depuis un an. Je sais bien que ce n'est pas votre faute. Et dans cette Assemblée, on cherche toujours des responsables. On oublie qu'un député, ce n'est pas un procureur. Mais en même temps, un homme politique, c'est quelqu'un qui prend des décisions. Et aujourd'hui, j'attends de vous des décisions qui permettent à ce secteur d'activité d'assurer sa pérennité et de remplir les missions économiques, mais aussi sociales, qui sont les siennes. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Monsieur le président, monsieur le député Habib, je vous remercie de votre question. Le gouvernement est entièrement mobilisé aux côtés de nos artisans et notamment les boulangers, comme il est aux côtés de toutes les TPE de notre pays. Et je sais comme vous combien ces artisans sont précieux pour nos territoires, nos collectivités, vous l'avez rappelé. Depuis le début de cette période de hausse des prix de l'énergie, le gouvernement a été à l'écoute des entreprises pour mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs. Nous avons souhaité aider les ménages via le déploiement du bouclier tarifaire et aider les entreprises avec des dispositifs adaptés qui n'ont cessé d'être ajustés aux besoins et remontées du terrain. Pour les entreprises, ce sont 12 milliards d'euros qui sont mobilisés et qui doivent être utilisés tout d'abord pour les TPE, les très petites entreprises de moins de 10 salariés, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires ou de bilan dont la puissance est inférieure à 36 kV-ampères, bénéficient du bouclier tarifaire. Si elles sont au tarif réglementé de vente ou à un tarif indexé à ce tarif, cela conduit à limiter la hausse de leur facture d'énergie à 15% en moyenne. Si la puissance qu'elles utilisent est supérieure à 36 kV-ampères, si leur contrat est en offre de marché, les TPE ayant renouvelé leur contrat en 2022 peuvent bénéficier d'un plafonnement de prix fixé à 280 euros du mégawatt-heure en moyenne sur l'année 2023. Ce dispositif nécessite d'adresser une attestation à son fournisseur d'électricité d'ici à la fin du mois de mars. Concernant les petites et moyennes entreprises, elles peuvent bénéficier de l'amortisseur électricité. Enfin, afin de soutenir les entreprises les plus consommatrices, nous avons mis en place une aide qui peut être demandée sur le site impots.gouv.fr. Le guichet d'aide au paiement des factures d'électricité et de gaz est ouvert aux entreprises dont le prix de l'énergie a augmenté de plus de 50% par rapport à 2021 et dont les factures d'énergie au moment de la demande d'aide atteignent au moins 3% de leur chiffre d'affaires de 2021. Depuis sa mise en œuvre en juillet 2022, cette aide a été largement simplifiée et élargie. La dernière modification était intervenue ce matin. Un décret est paru au journal officiel, la semaine dernière plus précisément, pour prévoir des adaptations issues de remontées du terrain. Comme vous, de nombreux parlementaires ont écrit au gouvernement pour demander des aides accessibles aux entreprises créées en 2022, qui n'étaient pas ciblées par les premières versions des aides, ou des aides plus adaptées pour les secteurs touchés par des événements exceptionnels, comme des fermetures d'activités pendant la crise sanitaire à l'hiver 2021. Le gouvernement et les services de Bercy ont été à l'écoute. Nous étudions systématiquement les différentes options. Nous échangeons avec la Commission européenne si besoin et nous adaptons les aides quand c'est nécessaire pour nos entreprises. Les entreprises nous ont aussi alertés sur des problématiques de trésorerie. C'est le cas en particulier des boulangeries. C'est un élément clé pour une entreprise et c'est pourquoi le gouvernement a demandé aux URSSAF et à la DGFiP de regarder les demandes de délai ou de report pour les impôts et les cotisations sociales avec la plus grande bienveillance. J'encourage toutes les entreprises qui auraient des difficultés à se rapprocher de leur conseiller départemental à la sortie de crise, dont les numéros de téléphone sont affichés sur le site internet du ministère de l'Économie. Merci, monsieur. Et je vous remercie, monsieur le député, de l'attention que vous portez à ce sujet majeur. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Minot. Merci, monsieur le président. Depuis le 1er janvier 2023, malgré la reconduction du bouclier tarifaire, les tarifs réglementés d'électricité ont connu une nouvelle hausse de 15%. Cette hausse représente en moyenne un surplus équivalent à une vingtaine d'euros sur la facture mensuelle des particuliers ayant souscrit à des abonnements dont le prix d'électricité est lié au tarif réglementé d'EDF.
Dans les faits, cette hausse de tarifs réglementés de vente de l'électricité ira bien souvent au-delà des 15%. En effet, ce pourcentage correspond à une moyenne pour l'ensemble des tarifs réglementés et certains particuliers accusant jusqu'à 25% d'augmentation. Cette crise devrait d'ailleurs toucher cette année plus de 20 millions de ménages et environ 1,5 million de professionnels. Nous ne pouvons donc pas parler d'une situation sous contrôle de la part du gouvernement. Et si j'évoque ici la question des prix de l'électricité, la situation pour les prix du tarif du gaz n'épargne pas non plus les consommateurs qui en dépendent. Oui, nous savons ce que vous allez nous dire, que vous avez mis en place un certain nombre d'aides ponctuelles en plus du bouclier tarifaire. Pourtant, force est de constater que les Français sont peu à en ressentir les effets. Les difficultés que rencontrent les consommateurs d'énergie sont réelles et l'impact de vos aides, quant à lui, sont minimes. Avec des critères et des seuils aléatoires, peu de nos concitoyens y ont accès, notamment au sein de la classe moyenne. Et cela continue, comme depuis 6 ans, à être la grande pénalisée de votre politique. De nombreux consommateurs se retrouvent en situation de précarité énergétique, mais aussi en situation de précarité économique. L'heure est grave. Les Français ont du mal à se chauffer, à vivre, et parce qu'ils doivent assumer les conséquences financières, se retrouvent dans des situations parfois catastrophiques. Au milieu de tout cela, vous leur demandez de travailler plus longtemps, d'acquiescer tous vos changements de société, alors qu'ils n'arrivent même plus à payer leurs factures. Vous ne pouvez pas vous contenter d'aide au compte-gouttes. Il est temps de proposer un véritable plan d'accompagnement des Français face à ces hausses successives, mais aussi de réformer, une bonne fois pour toutes, le marché européen de l'électricité. Ainsi, Monsieur le ministre, je vous demande d'agir et je souhaite connaître le plan d'action du gouvernement au niveau européen pour que les Français arrêtent de payer un manque de courage politique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le député Minot, nous avons pris un certain nombre de mesures en matière de pouvoir d'achat, même si certaines d'entre elles n'ont pas recueilli l'assentiment de vos suffrages, puisque vous êtes abstenu. Je pense en particulier au vote sur l'aide exceptionnelle de rentrée, la revalorisation des bourses étudiantes, des APL, des minima sociaux et des retraites, l'indemnité carburant destinée aux travailleurs, la suppression de la redevance audiovisuelle. Oui, monsieur le député, le bouclier tarifaire pour les particuliers et les entreprises, vous ne l'avez pas voté et pourtant il a permis à un ménage modeste de préserver 200 euros par mois. La lutte contre l'inflation, c'est une priorité du gouvernement et de la majorité qui l'ont menée activement, permettant à la France d'afficher un niveau d'inflation parmi les plus bas en Europe. Nous le savons, nos compatriotes sont inquiets, vous l'avez dit, et certains d'entre eux sont très pénalisés. Je le vois et je le vis moi-même dans le quotidien du territoire dans lequel je suis élu. Concernant l'alimentaire, nous avons obtenu un accord avec les distributeurs pour qu'ils contiennent leurs marges et luttent ainsi contre l'envolée des prix. C'est le trimestre anti-inflation. Pendant 3 mois, les distributeurs s'engagent à aller au-delà de leurs promotions habituelles de printemps sur de nombreux produits du quotidien. Pour que les consommateurs puissent les identifier facilement, ces opérations sont labellisées par un logo trimestre anti-inflation. Le gouvernement est par ailleurs favorable à ce que les négociations commerciales entre les industriels et la grande distribution rouvrent dès le mois de mai. Concernant l'énergie, le président de la République et le ministre Bruno Le Maire sont pleinement mobilisés sur le sujet. En plus des aides massives adressées à nos compatriotes et à nos entreprises, une réforme du marché européen de l'électricité est en cours, car nous refusons que le prix de l'électricité soit dicté par le prix du gaz. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, je suis assez surpris de l'énumération des votes auxquels je n'aurais pas approuvé, en tout cas donné mon approbation. Je vous rappelle que je suis député Les Républicains, que je suis député de l'opposition et qu'il n'est pas pour coutume, d'une part, de faire confiance, en tout cas de donner un blanc-seing au gouvernement sur la question du budget. Et je pense qu'effectivement, si vos aides avaient tant fonctionné, on n'aurait pas autant de Français dans la misère aujourd'hui. Merci, monsieur le député. Alors, nous avons un cas de figure un peu inédit, monsieur le ministre. Nous sommes très en avance. Le dernier député n'est pas en retard, mais comme nous sommes très en avance, il n'est pas encore là. Est-ce que vous acceptez de patienter 10 minutes, auquel cas je suspends et on reprendra pour que vous puissiez répondre à monsieur Latombe ? Alors, je vais suspendre jusqu'à l'arrivée de monsieur Latombe pour 10 minutes.
Bien, nous reprenons. Monsieur Latombe ne sera pas disponible, donc c'était pour vous dire, monsieur le ministre, que nous allons pouvoir vous libérer. La prochaine séance est cet après-midi à 15h. Je pense que je vais vraiment finir par parler dans le vide. Question au gouvernement. Vote solennel sur le projet de loi relatif aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions. Proposition de résolution portant sur la reconnaissance et la condamnation de la grande famille de 1932-1933, connue sous le nom de Holodomor comme génocide, suite de la proposition de loi visant à lutter contre le dumping social sur les transmanches. Deuxième lecture de la proposition de loi visant à améliorer l'encadrement des centres de santé. Proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. La séance est levée.